Bonsoir. Alors là, c'est euh, le début du stream. C'est le début des problèmes techniques. Donc, vous êtes un petit peu euh, les testeurs de cette reprise. Euh, bienvenue sur la J-House, Donc déjà, je vais vérifier que, est-ce que vous m'entendez bien Parce que c'est ça un petit peu, là, mon angoisse, c'est de parler tout seul comme un grand. Euh, avoir euh, le lèvre qui bouge sans rien. Oui, merci d'entrer, motricienne. Oui, on t'entend bien. Parfait, merci beaucoup. Désolé pour ce retard 21h14. Vous connaissez ceux qui sont habitués à la GA, savent que effectivement les débuts à l'heure sont rares. On essaye, on essaye, mais là on avait des problèmes techniques, on avait notre invité qui se galérait avec Discord, et puis après pareil, on avait un autre problème technique sur les scènes qui n'étaient pas bien faites et tout. Bref, des démarrages comme je les aime, la technique, tout ça pour vous accueillir. Donc, bonsoir Diantro Motricienne, bonsoir x XQualala, euh, Sarah Marina, les ducs spécialisés, pas de son pour toi les ducs spécialisés. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont concernés là-dessus Ou il n'y a que euh, l'éduc spécialisé Dans ces cas-là, le problème est plutôt sur l'éduc spécialisé. Euh, la conscience sociale, bonsoir, bonsoir Camille. Un plaisir. À la base, on avait fait une pause en juillet pour quelques mois, genre reprise en septembre. On est en février. Je trouve qu'on est archi bien. Je ne vous cache pas effectivement que c'est. Une petite pause qui a permis de réfléchir et autres sur la suite de cette chaîne. Donc, plus de monsieur HQ pour ce programme. Il y aura un autre programme dont on va parler prochainement où il sera là. Euh, un nouveau format SCS, Social Canapé et Société. Euh, le but, parler de l'action sociale, parler de la société. Euh, team premier degré. Désolé d'avance, on va aller un petit peu dans le second degré, on va aller un petit peu dans l'humour noir, on va parler euh, des choses, des différentes thématiques, euh, sans filtre. Voilà, toujours avec respect, mais sans filtre. Euh, donc, effectivement, team premier degré, si jamais vous êtes des sensibles, si jamais vous êtes des fragiles, et si jamais pour vous le monde est, on va dire, digne des bisounours, euh, je vous en prie, changez de stream, ne vous faites pas de mal. Pour les autres. Je vous souhaite la bienvenue et merci d'être là. Euh, oui, que de changements, Marina. Oui, bah c'est comme ça. La vie a fait que Monsieur HQ euh, était sur euh, d'autres horizons, euh, qu'il avait rejoint euh, la Team Canard et avait. Euh, avait choisi d'autres choses, il m'a, délaissé pour, pour une autre personne. Voilà quoi, je, 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 je le comprends, enfin, je comprends, mais, mais il sera là pour 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 d'autres programmes. Euh, ok bye, ne t'inquiète pas, la conscience sociale. Euh, nous allons commencer en douceur. Nous allons commencer en présentant nos invités mes invités, euh, mais vos invités aussi, hein, puisque nous sommes à la J-House, et euh, nous allons commencer euh, avec Mélanie. Mélanie, bonsoir, donc j'ai, pour vous illustrer un petit peu, elle m'a présenté une petite fiche, une petite fiche d'identité, donc nous devons l'appeler euh, Mélanie, voilà, simplement. Euh, elle est attentionnée, dynamique et déterre. par contre, bah, elle est susceptible bordélique et râleuse. Donc, euh, messieurs euh, les viewers, s'il vous plaît, euh, prenez soin d'elle, hein, parce qu'elle est capable de vous péter un plomb euh, en live. Et ça, ça c'est bien. Ça, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ensuite, pourquoi elle a été invitée sur ce sujet Parce qu'effectivement, elle a une expérience en EHPAD de 3 ans. Euh, elle est formatrice aussi auprès des soignants travaillant auprès de la personne âgée. De ce que j'ai compris, en gros, elle allait amener les uns et les autres à... Euh, se former, réfléchir pour bah, essayer de prendre soin des uns et des autres. Pourquoi on me voit en double là C'est ça qui est beau. Attendez, je vais régler ça tout de suite. On voit mon double. Alors ça, ça c'était pas prévu. Attendez deux secondes. Je dis là, c'est le stream, euh, c'est le stream. Un petit peu, on va régler le problème technique. Vous allez voir tout de suite. On va voir ça en changeant et on va voir notre deuxième invité. Hop, 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 hop. En attendant, Mélanie, comment vas-tu Très, très bien, et toi Très, très bien, parfait. Euh, moi, ça va, hein, je l'ai dit, les, les trucs techniques, ça me gonfle Mes trucs de. Voilà Normalement, c'est mon jumeau maléfique. Ouais, peut-être, peut-être, effectivement. Je ne suis pas encore à ce niveau-là de, de doublement de personnalité. Euh, donc, voilà, on voit notre deuxième invité qui est là. Elle nous fait un coucou. C'est magnifique. Et là, ça marche bien. Voilà. Euh, donc, notre deuxième invitée, Laura, alias allopsychomode. Bonsoir. Allo c'est écrit sur son pull. Si jamais vous oubliez, c'est écrit sur son pull. On le rappelle. Euh, elle est impulsive et investie. Ouf, qu'on trouve, qu on trouve euh, des similitudes. Elle a 5 ans d'exercice en EHPAD. Et euh, elle, a, elle, elle a une... Moi ce que j'estime, elle me dit que c'était un défaut, mais moi j'estime que c'est une grande qualité, c'est quelqu'un qui est au comble de la perfection puisque c'est quelqu'un qui ne dort jamais sans ses chaussettes. Voilà. Euh... Moi j'ai une question, euh, Laura, c'est-à-dire que tu ne dors jamais sans tes chaussettes, euh, même quand il fait 40 degrés Ouais. En vrai Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. Enfin, enfin ça ne doit pas arriver souvent. Euh... Souvent que j'enlève mes chaussettes pour dormir, ouais. Ok, et, euh, <laughs> et on, pourra, on pourra faire une émission spéciale sur ces petites manies du quotidien, ces petits, ces petits tue-l'amour. Euh... Tue-l'amour, pas... je sais pas, tue-l'amour, on pourra en parler dur durant l'épisode couple et sexualité, mais euh, en tout cas, euh, ça m'a pas empêché de trouver l'amour. Écoute, et nous avons une pensée pour euh, cette personne qui a énormément de courage euh, et qui, à un moment donné, je pense, a réellement prouvé qu'il t'aimait en faisant fi de certaines choses. Euh, mais le, 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 le sujet n'est pas là. Elle est Barjo surtout. Elle te balance des idées qui sortent de nulle part. Qui ça L'opsychomote Oh, c'est vrai ça C'est un, une de tes qualités euh, Ouais, j'ai plein d'idées à la minute, toi. Ouais. Ok, ouais, ouais. Et du coup, ça, ça Et prend... je l'embarque tous les gens qui sont autour de moi sur le moment. Ok. <laughs> bah... Non mais c'est important, du coup, on est, préparé. On est préparé, c'est-à-dire que si à un moment donné tu pars sur un sujet, faut qu'on te suive. Let's go, on y va. Moi, ça me va. Mais ça te va Disgression. -disgr -disgr ah ouais, mais j'ai eu l'habitude hein, avec Laura. <laughs> ok, nickel. Donc si ça te va, c'est parfait. On va rentrer dans le vif du sujet puisqu'il est 21h20. Alors, les viewers, vous avez une mission. Je sais que parmi euh, ma commune, il y a, euh, on va dire, euh, la team tôt. Voilà. Euh, on a deux teams. On a les couchetards hein, qui, qui nous suivent jusqu'au bout de la nuit. Et on a la team Couche-Tôt. Pour la team Couche-Tôt, j'ai pensé à vous. L'émission allait en deux parties. On a la première partie sur le sujet, c'est-à-dire là, les EHPAD, avec différentes questions que je vais présenter après. Et ensuite, on a un petit quiz, nouvelle formule. Euh, et... Un petit coup de gueule que vous allez devoir deviner. Euh, pour la team Couche-Tôt, je vous propose, on se dit, 21h10 maximum, vous avez le droit de spammer dans le chat. Euh, next, changeant de sujet, etc. Vous avez le droit de spammer. C'est-à-dire que vous me connaissez, ceux qui me connaissent pas savent que oui, moi je suis capable de parler pendant des heures et avoir des digressions, etc. Euh, ouais effectivement, 22h10, on change de sujet, même si on est. Désolé Laura, parti sur une idée qui est fantastique. Parce que je respecte effectivement euh, mes viewers et je sais que pour certains, je ne sais pas comment ils font, mais pour certains, 22h, 22h30, c'est la limite, c'est la tisane, c'est la team mamie. Voilà. Pour les autres, vous pourrez nous accompagner ensuite pour la deuxième partie de l'émission qui consiste à quelques quiz. Je sais que Mélanie et Laura sont en PLS, quand j'ai évoqué ça, mais c'est un quiz light. Voilà, sur lequel vous allez pouvoir jouer, euh, mes chers, mes chers colocs. C'est important. Euh, C'est ok pour les règles On est ok, Mélanie Ouais. Ok. Ouais, Alors, ouais. Le chat, d'accord. 22h10, vous spammez et on passe immédiatement à la suite de l'émission. Alors, la question du jour les EHPAD suite. À l'affaire Orpea, suite à l'affaire aussi de Corian qui s'est venue aussi, suite pour ceux qui sont dans le milieu, à plein de questionnements sur ce lieu, sur cette institution, etc. Euh, les EHPAD sont-ils des lieux pour vivre ou pour mourir Est-ce que finalement l'avenir, notre avenir à nous tous, c'est d'aller dans ces sortes de débarras à vieux hein, appelons, appelons un chat un chat, euh, ou est-ce que finalement les EHPAD c'est des génies et c'est une solution contre la surpopulation. Une solution parfois radicale, mais est-ce que est-ce est est qu'on est, qu est un petit peu là-dedans? Voilà un petit peu les questions du jour sur lesquelles bah, nos deux invités vont pouvoir, et vous, euh, vont pouvoir bah, potentiellement répondre, pas répondre, euh, montrer euh, d'autres réalités et autres. C'est OK? Eh bien, mesdames, je vous en prie qui démarre. <laughs> Est-ce que c'est un lieu pour vivre ou pour mourir mmh. Tu pour nous as préparé hein, ça fait un moment qu'on sait la question hey, je sais bien, <laughs> mais c'est toujours démarrer euh... c'est à dire que vous qui avez été qui avez, été, qui, qui, qui avez bossé là- dedans ou qui bossez encore euh, déjà, alors déjà pour pour démarrer en douceur, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un EHPAD Déjà. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre un EHPAD et une maison de retraite C'est vraiment euh, au niveau des chartes. Euh, enfin, il me semble que c'est au niveau du cahier des charges que doit respecter un EHPAD mmh. en regard d'une maison de retraite, mais en soi dans la société. Euh, on dit maison de retraite pour EHPAD et réciproquement. Après, je ne sais pas, fondamentalement, euh, si tu vois, tu peux nous aiguiller. Euh. Alors du coup, bah, de ce que j'ai fait, mes, mes petits devoirs, hein, vous allez voir, ça c'est de la préparation de fou, une feuille A4. Euh, c'est le dernier lieu de vie médicalisé ou non, dit la diantro euh, De ce que j'ai vu dans mes petites fiches, c'est que les EHPAD, déjà, c'est euh, à peu près plus de 7500 établissements. Euh, dans toute la France, c'est que on est sur une population. Euh, il y a à peu près plus de 600 000 résidents en EHPAD en France. En moyenne, c'est 50% qui sont des EHPAD publics. Euh, donc on entend les EHPAD publics généralement les mairies, par exemple, qui, qui, qui soutiennent ça. Euh, euh, on est sur 28% des associatifs non lucratifs et 22% euh, du privé lucratif. En moyenne, le coût pour aller en EHPAD c'est 2169 euros par mois, sachant que, bien évidemment, c'est plus cher d'être en EHPAD sur Paris, plus de 3800 euros, et c'est moins cher euh, dans le Cantal. On est aux alentours de 1700 euros. Euh, pour continuer un petit peu cette, cette explication de c'est quoi un EHPAD, un EHPAD, bah, clairement, c'est pour les vieux. Hein euh, et c'est pas, les, 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 pas pour les jeunes retraités, c'est à dire que pour tous nos jeunes viewers qui considèrent que d'être vieux c'est d'avoir 30 ans, euh, non, je ne suis pas proche de l'EHPAD, j'en suis encore bien loin. Euh, c'est combien l'âge moyen à, vous, à peu près à votre avis en EHPAD Moyen en EHPAD ouais. euh, ça, a, ça a bien augmenté, ouais. euh, perso, l'âge moyen dans mon EHPAD il était de 89 ans, mmh. donc je dirais une moyenne nationale autour de 82 peut-être. J'aurais dit 85, quelque chose comme ça. Oh, c'est un point pour mélanie C'est effectivement l'âge moyen euh, donc qui, qui, qui varie. Hein. Enfin, qui varie en fonction des années. C'est 85 ans et 8 mois. D'accord Et ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est qu'un résident en EHPAD cumule en moyenne huit pathologies. En moyenne, 8 pathologies. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du vieux. Alors attention, quand je dis vieux, c'est avec beaucoup d'affection, d'accord N'y voyez pas de, euh, de jeunisme, etc. Non, 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 d'accord. Euh, j'adore les vieux. Euh, on va reprendre cette expression de Vandame, hein, j'adore les vieux, de toute façon, bientôt, il n'y en aura plus. Euh, c'est un petit peu ça. Euh, c'est qu'en gros, effectivement, on est sur des gens qui... peuvent avoir des problèmes physiques, des troubles chroniques du comportement, des syndromes démentiels, de la maladie d'Alzheimer, etc. D'accord On n'est pas sur... C'est-à-dire que quand on arrive en EHPAD, c'est qu'on a... Arriver à un moment donné de sa vie où on a besoin d'accompagnement au quotidien, d'accord Sachant, pardon, hum, excuse-moi, je disais sachant que ça s'accumule au processus de vieillissement normal. C'est-à-dire que à côté de ça, euh, il y a euh, les troubles de la vue, les troubles auditifs, et donc euh, en soi, euh, avoir euh, une cataracte, un glaucome ou, euh, ou d'autres problématiques visuelles, c'est en soi, ça fait partie du nombre de pathologies que tu dis. Donc, ça fait partie. Donc, effectivement, on est sur des, 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 des personnes qui ont besoin euh, d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas en EHPAD par plaisir, euh, et que j'imagine que qu'une entrée en EHPAD, euh, vous qui avez accompagné un petit peu ces personnes-là, euh, on a, différents, di on a di différents différents cas de figure. Euh, on est sur des personnes des, 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 des personnes qui choisissent d'être en, en EHPAD. Il y en a, ça arrive il y, a. il y en a, oui, oui, oui il y en a un il petit en c'est une faible convention, euh, malheureusement. Oui, ouais, complètement. C'est très faible euh, par rapport aux, aux personnes qui, qui euh, subissent l'arrivée mmh. euh, dans les établissements euh, type EHPAD. Euh, mais on en a, en effet, qui, qui prennent conscience de leurs difficultés, euh, qui ont eu euh, ou non euh, un, un accident tel, une chute par exemple, mmh. euh, et peuvent prendre conscience que euh, les aides. Euh, parsemés, on va dire, euh, qui peuvent venir à domicile sont trop faibles et, et désirés en effet, de, de venir euh, euh, en EHPAD. Ouais. Et c'est, en effet, un petit pourcentage. Ok. Et euh, euh, on n'est pas sur de l'institutionnalisation. Alors, normalement, on n'a pas censé accepter une institutionnalisation de force, c'est-à-dire qu'il faut l'accord euh, de la personne ou de son tuteur euh, si elle est sous tutelle ou curatelle, ce qui peut être le cas avec l'avancée de certaines maladies. Euh, maintenant, euh, la plupart du temps, il y a quand même un accord. Malheureusement, il est plus ou moins préparé et les plus ou moins pensées, en fait, cette institution. Mmh. C'est que parfois, il euh, bah, y a ceux qui vont vraiment, et quand je disais très faible, moi, je pensais vraiment à ceux qui avaient pensé leur institutionnalisation et qui avaient vraiment préparé depuis quelques années maintenant d'entrer dans tel ou tel EHPAD, d'entrer dans telle ou telle maison de retraite ou telle structure. Et après, on a ceux qui donnent leur accord sous pression familiale. Euh, parce que euh, euh, les enfants sont angoissés parce que les enfants euh, ont, ont peur de la mise en danger, du manque de sécurité à domicile et donc euh, les parents euh, vont accepter de rentrer en institution ou le conjoint conjointe aussi hein, euh, va accepter de rentrer en institution Et euh, là c'est un accord mais qui est c'est pas le même enfin ouais. voilà mais la personne va prendre conscience que oui enfin mais, mais plus pour faire plaisir. Et oui. donc, ça, c'est moins bien. Il faut que je sorte ma caméra. <laughs> Elle se devient floutée. Il y a, euh, dans le chat, effectivement, il y a, il y a des questions sur, euh, sur le coût là-dessus. Et, euh, et, et certains se demandent effectivement comment, comment les familles font pour payer ces sommes-là. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de, en moyenne plus de 2000 euros par mois. Donc, de ce que je sais, c'est qu'il y a certaines mutuelles qui peuvent prendre en compte. Euh, et que j'imagine que dans ce que tu disais, Laura. Cette pression de rentrer en institution, bah, elle pèse sur les familles parce qu'elle pèse aussi financièrement, pour le coup. Ah, il y a plusieurs sentiments. Il y a la pression financière et il y a le, le sentiment de culpabilité aussi. Mmh. De ne pas pouvoir euh, subvenir aux besoins parce qu'il y a des aidants familiaux qui n'en peuvent plus, tout simplement, parce que trop épuisés. Mmh. Enfin euh, voilà, on parle du burn-out de l'aidant. Euh... C'est voilà, quelque chose qui, dont on parle de plus en plus. Et donc, il euh, y a aussi la pression de culpabilité. Enfin, ouais. Mais il y a la pression financière, ça c'est certain. Euh, même quand il y a 3-4 enfants, parfois, ça ne suffit pas. Parce que plus la personne est dépendante, plus il y a besoin de soins. Et donc, plus elle va payer cher. C'est aussi le fait qu'on bah, va avoir des écarts au sein d'un même établissement. On va avoir des écarts de 2 à 3 000 euros entre les différentes personnes mmh. et au niveau financier alors il y a les mutuelles et il y a aussi l'allocation personne âgée ça on peut la demander et c'est d'ailleurs avec cette aide là que la plupart payent les soins à domicile okay. et ça on peut l'obtenir à partir d'un certain degré enfin quand il y a une perte d'autonomie et un niveau de dépendance qui est évalué en équipe et, bien, et ou qui est évalué par la famille, et bien, à partir d'un certain degré, on peut bénéficier d'une aide de cette allocation-là qui est spécialisée pour les personnes âgées et qui est pour financer justement les aides à domicile. D'accord. Ça c'est des infos effectivement. Bah les ducs Oui, tu aurais dû brancher ta mère. Et j'invite tout le monde euh, à à appeler ses parents euh, pour poursuivre ce stream-là. Puisque l'idée c'est comme comme l'a dit Laura et Mélanie, c'est que bah oui, c'est compliqué d'aller en EHPAD parce qu'il y a plein d'enjeux de, de, de ce que j'ai compris. Euh, bah déjà de, de culpabilité des enfants qui sont pas en capacité de s'occuper bah, de leurs parents puisque c'est compliqué hein, de s'occuper de quelqu'un. Bah déjà de, de 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 son parent qui bah y a sa santé qui dégrade. Hein, donc on doit s'en occuper de façon. C'est pas juste aller chercher les courses etc. Hein, ça peut aller jusqu'à l'habiller, le laver et autres et ça <laughs> c'est compliqué. Euh, donc oui, branchez vos parents pour un petit peu bah, désacraliser euh, en tout cas, peut-être faire moins peur ou au contraire, ou au contraire euh, se dire mmh. plus jamais ça, et il faut que je fasse comme les esquimaux, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille euh, que je m'extrait de la société pour aller euh, mourir ailleurs. Euh, pour revenir, juste pour clôturer cette question de, prêt, de, de prix, il y, y a des questionnements sur là qui disait effectivement est-ce qu'il y a des, des prêts, des gens pour rentrer en institution sans dette, pour aller, euh, aller dans certains EHPAD, notamment peut-être privés que ça vous est déjà arrivé ou pas du tout Pas euh, des familles. Non, pas ma connaissance, mais peut-être que l'aura son côté. Ouais. Alors, euh... ça va être la... les familles, des fois. Parce que parfois, euh, l'hypothèque de la maison ou de l'appartement va pas suffire. Euh, malheureusement, euh... Enfin, la plupart déjà vont... Il enfin, y a quand même une partie qui va quand même hypothéquer ses biens. Euh, et qui ne pourra pas euh, les laisser. Il y a aussi tout ce côté là hein, dans mmh. la préparation à l'institutionnalisation. Et, euh, et en fait parfois donc euh, ils vont hypothéquer leurs biens, ils vont vendre leurs biens pour aller à la maison de retraite ou même dans une résidence autonomie hein, parce qu'il y a aussi les structures intermédiaires, à à l'institutionnalisation. Il y a mmh. aussi euh, les structures résidences autonomes qui se développent de plus en plus et euh, qui, voilà, et, et c'est coûteux. Et, et donc oui, parfois, la, la vente de, le, du bien immobilier euh, ne va plus suffire, la retraite ne va pas suffire. Et euh, si les enfants, ils n'ont pas les moyens, ils vont apporter un complément avec les allocations, ça va prendre un certain. Mais quand on est sur des taux à 4000 000, 4 000, 5 000, 5 000 euros par mois à sortir, euh, bah, quand on a 5, 6 enfants, qui était encore le cas à l'époque, enfin dans, dans l'EHPAD, moi j'avais beaucoup quand même de. de... J'avais très peu de, de parents qui avaient peu d'enfants. Mais, mais dans 20 ans, on a une... il y a moins de naissances. De... On fait moins d'enfants, etc. dans la société actuelle. Donc, euh, ouais, malheureusement, je pense qu'on va de plus en plus s'endetter et, euh, et nos enfants vont de plus en plus s'endetter pour nous payer des, des hébergements. Ça, ça peut être un super argument au problème de natalité en France. Ça va être ça, c'est effectivement si vous ne voulez pas hypothéquer tous vos biens, si vous ne voulez pas effectivement être endetté à vie, faites plein d'enfants, d'accord <laughs> Faites-les bien bosser à l'école parce que du coup ils vous paieront un EHPAD comme ça avec all inclusive, des services de luxe, etc. Ah non, mais ça c'est moi je trouve que c'est le meilleur argument qui soit, hein. c'est à dire pourquoi faire des enfants pour se payer plus tard la garantie d'être bien traité Quoique si je fais le lien maintenant avec. Orpea et l'affaire hors bonne, PA. passerelle, bonne passerelle, bonne passerelle. <laughs> euh, dans le chat, effectivement, il y a dentre modes qui disent Bah oui, comme tu as rejoint sur le fait que bah, les, les personnes ne pouvaient pas prendre de prêts puisqu'elles n'étaient pas solvables, mais y, effectivement, il y avait une question de euh, soit c'est les familles qui prenaient euh, donc les enfants ou d'autres, ou il y avait la question des, des, des biens à hypothéquer. Il euh, y avait une question aussi, effectivement, est-ce que euh, les obsèques coûtaient plus cher ou non que euh, les PAD Bah effectivement, en réponse dans le chat, euh, de la dientromotricienne, bah oui, euh, les obsèques c'est une fois, euh, l'EHPAD c'est tous les mois. Donc effectivement, c'est beaucoup euh, d'autres enjeux. Euh, je comptais m'arrêter à trois enfants, je pourrais peut-être continuer. Oui, je pense, la conscience sociale, oui, tu dois continuer. Puisque, hein, fais, faisons un petit calcul. Si c'est trois enfants qui gagnent en moyenne 2000 euros, qu'ils ont leur charge et tout, si tu veux aller en EHPAD à Paris, il faut qu'ils sortent tous les mois euh, 3800 euros. Tous les mois. Donc euh, soit ils font des, des, des métiers de fous, archi bien payés, etc. Enfin de fou, en tout cas bien payé. Euh, soit il faut augmenter. Euh, augmenter, euh, augmenter, augmenter le nombre d'enfants. Et ça, ça je pense que c'est vraiment, vraiment à, à, à réfléchir. Euh, sinon, on prend soin de sa santé et on évite l'institutionnalisation au max, nous dit Marina. Euh... C'est vrai maintenant. Enfin, en fait, on a des personnes âgées qui arrivent de plus en plus tard en institution. Hein. Ouais. Et puis avec la COVID, c'est encore pire. Et puis avec maintenant tout ce qui se passe en ce moment, bah, ça va être encore pire. Euh, le problème, c'est qu'on a des personnes qui arrivent de plus en plus tard en institution, mais qui ont des espérances de vie qui sont aussi euh, plus longues. Mm -hmm. Et donc, bah, en fait, enfin, euh, c'est ouais, c'est. Je sais pas si c'est... Enfin, dans tous les cas, oui, bien sûr, il euh, faut rester en bonne santé, euh, l'hygiène de vie, tout ce qui est facteur de pathologie. De euh, toute façon, euh, l'hygiène de vie, c'est quand même la clé, euh, la pratique du sport, euh, euh, tout ce qui va être alimentation, sommeil. Euh, c'est quand même des clés, oui, bien sûr, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, limiter l'apparition probable de pathologie, de vieillissement. Mmh, mais de, de ce que je comprends, c'est que de toute façon, arriver à un certain âge... Qu'on soit, on va dire, le plus healthy possible ou non, euh, bah ça arrive. C'est-à-dire le, le, le fait de vieillir amène son lot de pathologies associées et c'est, dire, normal. Enfin, c'est pas, pas, pas déconnant euh, d'avoir à 95 ans euh, un problème de cataracte ou, euh, ou autre. De, bah, ça de... arrive bien avant même, ouais. Mais mais avoir le vieillissement normal qui va qui va dans tous les cas avoir un impact corporel, euh, euh, psychique, psychologique, euh, tout ce qu'on veut. Après, euh, c'est vrai que euh, on sait que aujourd'hui euh, euh, pratiquer une activité physique régulière euh, va en effet ralentir euh, certains euh, effets du vieillissement, euh, comme, comme l'arthrose ou comme certains euh, troubles musculosquelettiques. Euh, L'alimentation aussi va pouvoir jouer sur la vue. Il euh, y a plein de choses en fait euh, qui euh, sont peut-être euh, euh, on peut penser minimes mi mais euh, dans la globalité peut avoir un impact et euh, ralentir ou diminuer euh, l'importance de euh, des, 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 des maladies ou troubles qu'on peut rencontrer avec euh, le vieillissement normal.. Euh, voilà. et... Donc. On peut en Après... tout cas aller euh, là-dessus euh, à côté de quelqu'un de sédentaire euh, qui va euh, avoir de la malbouffe euh, régulière à côté quelqu'un qui va avoir euh, une activité physique euh, euh, régulière et euh, une bonne alimentation euh, qui va prendre soin de soi. En effet, on peut rapidement voir les différences et potentiellement, euh, comme dit Laura, avoir euh, euh, une entrée en EHPAD euh, plus tardive. Euh, avec un, un maintien euh, à domicile et une autonomie qui va être préservée plus longtemps. Mmh. Donc, du coup, moi, moi je trouve qu'on peut trouver des bons arguments. C'est-à-dire, au-delà de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bien pour vous, je pense qu'on on fait une pub hors PA ou d'autres maltraitances institutionnelles pour éviter ça. Mangez 5 fruits et légumes par jour, faites du sport, <laughs> prenez soin de vous. Et je trouve qu'en termes d'arguments, on est, on est mieux. Je trouve que c'est plus honnête. C'est-à-dire vraiment, on est dans quelque chose où, plutôt que vous allez bien vieillir avec des pubs très jolies, non, 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 on met attention, comme on a toujours fait dans l'éducation, attention, si tu ne manges pas 5 fruits et légumes par jour, tu vas peut-être, peut-être, devoir aller en institution. Attention, si tu ne fais pas au moins 5 ou 6 enfants, peut-être, tu vas aller en institution. Et là, je trouve qu'on est beaucoup mieux. <laughs> je trouve qu'on qu qu est dans quelque chose de, de, de plus réaliste. Mais bon, Et euh, là, moi plutôt... je suis pas dans. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, dans le côté, évitons au max l'institutionnalisation. Ah, c'est vrai que de toute façon, c'est un peu le message qui passe en ce moment à la télé. C'est euh, évitons d'institutionnaliser, évitons d'emmener nos personnes âgées. Euh. Sauf qu'à un moment donné, euh, on est tous humains et comme tu disais tout à l'heure, on a nos vies, nos vies professionnelles, etc. Et on peut être le meilleur enfant du monde, vouloir être le meilleur enfant du monde. Euh, on ne peut pas euh, avoir un rôle d'aidant professionnel. En plus de notre propre travail, de, de prendre aussi soin de nous, etc. Et euh, on a tous nos limites, et la limite des aidants, c'est une vraie limite. Euh, et euh, c'est pas parce que, et c'est aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on euh, a tendance à culpabiliser les, les personnes qui mettent, enfin qui mettent ou qui euh, proposent l'institutionnalisation à leurs parents. On a tendance à les culpabiliser en fait de, de faire ça, alors que pour autant, euh, bah, c'est quoi le mieux C'est que toi-même tu te retrouves en épuisement et toi-même tu te retrouves euh, euh, complètement épuisé, complètement malade et que tu te retrouves à développer des pathologies plus tôt pour toi. Et donc euh, bah, on se retrouve avec euh, l'arrière-grand-mère, la grand-mère. Enfin voilà, on se retrouve plus vite euh, avec des pathologies plus importantes. Enfin, il y a aussi toute la question du stress qui est quand même un facteur de risque de développement de maladie mmh. Et donc Enfin voilà, tout ça accumulé, euh, je pense qu'en fait, c'est pas éviter l'institutionnalisation, c'est vraiment préparer cette institutionnalisation. Mmh. Et après, il y a tout le travail aussi bah, derrière de faire en sorte que les institutions soient euh, euh, le plus accompagnantes possible et euh, les plus bien traitantes possible. Ah, allons dans ce sujet-là. Parce que, alors attention, si je les ai invités, c'est pas pour les accuser, puisqu'elles ne sont pas accusées elles-mêmes, hein. c'est pas parce qu'on a bossé en EHPAD que forcément, que forcément on a été maltraitant, c'est pas ça, faut pas faire d'amalgame, etc. Attention euh, à la J-House L'idée, c'est de traiter des sujets, euh, de dire les termes, hein, comme disent les jeunes, euh, <laughs> et surtout, c'est d'essayer de voir l'envers du décor. Il y a les médias, il y a tout ce qui se passe, il y a effectivement tout, tout l'abattage médiatique, et il y a tout ce qui se joue, hein. euh, et après, il y a la réalité de terrain. Et après, il y a effectivement il y a des choses un petit peu plus institutionnalisées, il y a des choses qui sont déconnantes, c'est vrai, il y a des institutions qui sont déconnantes, il y a des gens qui sont déconnants, ça c'est une réalité, euh, mais on va, on va rentrer un petit peu dans le, dans le, dans, 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 dans le cœur du sujet. Euh, dans l'affaire Orpea, il y a eu des analystes un petit peu là qui, qui ont démontré certaines choses, c'est-à-dire en gros le constat global, mais qui ne date pas d'Orpea, hein. attention. Qui date depuis longtemps. Il y a eu pas mal de rapports, notamment euh, notamment des, des rapports de certains députés hein, sur les EHPAD qui ont sensibilisé le gouvernement. Et le rapport disait que globalement, globalement, dans les EHPAD, hein, que ce soit public, euh, associatif ou à but lucratif, il y avait trop peu de personnel. On est en moyenne, en moyenne, à un aide-soignant, un accompagnant pour euh, quatre résidents. On est sur un infirmier et c'est beaucoup, on est d'accord. Euh, c'est pour ça que je mets public, associatif et lucratif, puisque on a, je pense, tous les trois là, tous des exemples euh, où euh, bah, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Ce n'est pas forcément la réalité. Euh, on est à un infirmier pour 17 résidents en moyenne. Et ouais, on parle plutôt de maltraitance institutionnelle. Euh, du coup, si on prend cette affaire Orpea... Donc euh, si je, je fais un, un, un résumé très rapide, très rapide. Euh, ce sont des, euh, des, des proches, des, 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 euh, des enfants, des parents, des, euh, des, euh, qui, qui ont signalé à travers un, un livre euh, différentes maltraitances institutionnelles. Et comme on est dans une politique de l'émotionnel en, enfin, en ce moment depuis, depuis une vingtaine d'années, euh, tout d'un coup, ah! tout le monde s'est réveillé en disant mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait à nos vieux ça fait deux ans qu'on les protège en se confinant, en, en, en comment dire, en, en, en mettant tout en place une politique liée au Covid, etc. Et on se rend compte que dans les lieux qui sont censés les protéger, eh ben il y a de la maltraitance, il y a de la violence. Euh, et, euh, et du coup, le monde a ouvert les yeux sur le. Mais mon Dieu, comment ça se fait Donc, alors, est-ce que Orpea, c'est quelque chose qui est exceptionnel ou est-ce qu'on est dans une tendance dans certains EHPAD, attention, à effectivement à avoir institutionnalisé la maltraitance mmh. Mmh. Euh... En fait, c'est compliqué parce que, par exemple, pour ma part, j'étais dans un EHPAD que je considère qui allait bien. Ou enfin, voilà, si j'aurais vu de la maltraitance, je pense, enfin, l'aurais signalé. Maintenant. Euh malgré euh, toute la bienveillance des équipes, malgré l'engagement de la direction eh bien euh, la, la des fois le, le manque d'effectifs peut entraîner des comportements euh, qui peuvent être de maltraitance euh, par négligence institutionnelle ou par manque d'organisation en fait euh, structurellement c'est à dire que quand ça vient pas euh, parfois de, la, de notre direction et eh comme quand on appartient à un grand groupe pour ma part j'étais dans un grand groupe, Mmh. Donc euh, en l'occurrence Domusvie hein, euh, Donc c'est le troisième Eh <laughs> bien euh, En fait il y a aussi toute le, la politique de groupe Et puis au-dessus des de ces groupes De ces gros groupes Il y a quand même la haute autorité de santé Enfin il y a quand même l'agence la, régionale de santé Pardon Et en fait c'est l'agence de régionale de santé qui euh, Pose les recommandations du nombre de personnes qu'il doit y avoir pour tel ou tel établissement, mmh. pour tel ou tel euh, niveau de dépendance dans la structure, qui sont réévaluées régulièrement. Tous les cinq ans, il y a quand même des contrôles euh, pour évaluer les besoins euh, dans la structure et subventionner une prise de poste, une augmentation de poste ou enlever des postes, etc. Et donc, il y a aussi, euh, enfin, plus haut, au-dessus de l'Agence la, régionale de santé, bah, il y a quand même l'État et le ministère de la Santé et des Solidarités. Donc, euh, en fait, euh, si on dit qu'il y a de la maltraitance dans les structures, automatiquement, ça veut dire qu'on. Enfin, pourquoi incriminer euh, les directions des groupes quand on sait que plus haut, il bah, y a aussi finalement, c'est tout le chemin qui est maltraitant et qui entraîne cette négligence institutionnelle. À mon sens, il euh, y a une réflexion euh, plus largement à revoir justement sur l'accompagnement et les moyens qu'on donne aux structures médico-sociales au sens large. Si, euh... Je résume un petit peu, enfin si je résume, c'est à dire que pour ceux qui connaissent pas, c'est à dire que l'idée c'est pas de parler entre initiés, etc. C'est pour ceux qui connaissent pas, effectivement, dans le chat on nous dit euh, institutionnaliser la maltraitance prend tout son sens, je trouve, quand on entend que les institutions ont par exemple chiffré le nombre de couches à donner aux personnes âgées, le personnel n'a donc pas le droit d'en fournir davantage, par exemple. C'est ce que tu expliquais, c'est à dire qu'on est dans des systèmes euh, qui ont au-dessus d'elles des, des agences régionales de santé et l'état qui ont. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là, rationaliser. C'est-à-dire, en gros, qui ont, euh, à travers des commissions et des gens qui réfléchissent, etc., déterminé que le nombre moyen, si on prend cet exemple-là, de couches, pour une personne, euh, des pads, etc., c'était en moyenne, je dis une connerie, euh, 4, euh, bah, ça veut dire, en fait, ah, que tout le ça. budget. Et mis là-dessus, et que si jamais les gens ne rentrent pas dans les clous, dans les cases, et ben effectivement, de base, ça les met dans la merde. Euh, de ce que tu disais aussi, il y a des recommandations du nombre de personnels minimum, un taux d'encadrement euh, pour ces personnes-là. Euh, ce qui fait que l'établissement ne peut pas aller au-delà. Non. Euh... Ou alors, euh, ils trouvent des budgets annexes, mmh. souvent euh, c'est des budgets qu'ils prennent, euh, qui sont des budgets peut-être pour de la formation ou d'autres euh, budgets qu'ils ont sous la main. Enfin, je sais que par exemple, nous, on avait euh, une aide-soignante inter-étage mmh. et donc du coup, qui faisait, prenait euh, deux toilettes par, euh, par étage en plus euh, et, donc, euh, et elle, elle venait que sur euh, un plus court temps, elle venait de 9h à 13h, enfin à peu près pour en fait renforcer les équipes sur le temps du matin, par exemple. Mais ça, c'était une prise d'initiative euh, de, de ma direction qui ne correspond pas aux recommandations ARS du nombre de personnes. D'accord. En fait, c'est suivant aussi comment les directeurs vont, vont se débrouiller pour avoir une bonne organisation institutionnelle, renforcer quand il y a besoin, quand il y a moins besoin et euh, comment nous, on va justifier et argumenter. Parce que moi, ce qu'on me disait, c'était OK, Laura, les équipes, elles disent. Enfin, moi, j'étais responsable sur tout ce qui était euh, bien-être. Enfin, on va dire plus prévention des troubles musculo-squelettiques, euh, arrêt de travail, tout ce qui était en lien avec euh, euh, la prévention des risques professionnels. Et, euh, et je disais, bah oui, bah les filles, se, se faut remonter le manque d'effectifs, etc. Et quand j'avais eu cette, di cette discussion avec ma direction, c'est elle qui m'avait en fait expliqué tous ces freins-là, en fait, qu'elle avait sur le fait que bah on était en effectif plein. C'est-à-dire que bah, quand elle se plaignait, bah, en fait, les effectifs, elle ne peut pas aller au-delà. Et ça ne dépend pas d'elle, en fait. Et donc, il euh... enfin, y, y a tout ça aussi, en fait, et qui n'est pas totalement transparent aussi, des fois, pour les professionnels. et ouais, C'est-à-dire un... qu'au-delà, du coup, des, des choix par institution par grands groupes, etc. Parce que l'idée, encore une fois, hein, c'est n'est pas de faire du bashing sur des institutions à but lucratif ou public c'est mieux public, non, 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 ça on s'en fout, c'est-à-dire qu'une institution, c'est un comme un organisme vivant, il y a des institutions qui fonctionnent bien, peu importe si c'est un grand groupe ou un truc euh, innovant ou un truc public, et il y a des institutions qui fonctionnent mal, puisque c'est géré par des gens. Et des gens qui ont tous une fibre, qui ont tous des, des objectifs différents et autres, et effectivement, de ce que tu disais Laura, un directeur, une directrice qui se casse le cul à essayer de trouver des solutions, ça trouve des solutions. D'accord Mais que le problème, il est plus organique. C'est-à-dire dans le système des recommandations. Il y a quelque chose dans le chat, et effectivement, qui à mon avis joue. Euh, on nous dit qu'une aide-soignante gagne environ 1500 euros net en fin de carrière et que la première maltraitance, c'est la dévalorisation des métiers. C'est-à-dire, encore une fois, on est sur quelque chose où, en moyenne, la personne paye donc, je répète, 2169 euros par mois. Et on a des personnes qui les accompagnent au quotidien, les aides-soignantes, les AES, etc. Attention, hein, c'est au quotidien qu'elles les accompagnent, euh, qu'elles prennent soin. Et on est sur, effectivement, des personnes qui sont payées une misère pour un travail qui est dur, déjà de base quand on est en plein effectif, et qui est d'autant plus dur qu'il est dévalorisé. Hein, un petit peu. Euh, je, 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 dans, une, dans une autre vie, je suis formateur pour notamment des, des AES. Euh, et le nombre de fois où j'entends on n'est pas donné des torches-cul, et qu'on sent effectivement que ces personnes-là qui sont d'une grande volonté, qui ont envie de bien faire, eh ben, au bout de huit semaines de stage, sont pressurisées par plein de trucs. Vraiment. Par les exigences qui sont incohérentes. Les douches, c'est 5 minutes, pas plus. Peu importe la personne. Les douches, c'est 5 minutes, pas plus. Je prends 7 minutes avec la personne, je me fais bâcher. Et qui, en plus, on sort de là en disant Je me suis cassé le cul, j'ai pris le temps d'écouter la personne, j'ai pris le temps de recevoir euh, les joies, les bonheurs, les souffrances. Et derrière, je suis payé 1500 euros, fin de carrière. C'est-à-dire que ça, ça rien que ça, c'est compliqué. Ça, ça rejoint ce que dit Laura aussi euh, sur le fait que, euh, en fait, on, on, on prend les. Souvent, on entend il euh, y a de la maltraitance, euh, les aides-soignants, euh, les ASH, euh, et on, on s'en prend tout de suite à ceux qu'on a en face de nous. En, ouais. un truc. Euh, mais en effet, euh, moi qui suis aussi euh, formatrice euh, auprès d'aides-soignants et d'infirmiers, euh, euh, comme disait Laura tout à l'heure, en fait, on, on en vient à euh, certaines négligences ou à ne pas avoir le temps. Et euh, sauf que euh, de l'autre côté du côté des familles c'est elles ne prennent pas le temps mmh. c'est pas la même chose euh, sauf que les soignants si on les écoute un petit peu c'est bas il y a du manque d'effectifs et euh, même si on n'est pas sur une direction qui va euh, taper sur les doigts euh, parce qu'on a pris euh, 7 minutes ou cinq minutes il y a une réalité institutionnelle qu'il y a tant d'aides soignants pour tant de résidents mmh. donc le matin il euh, y a tant de toilettes à faire il euh, y a tant d'accompagnements à faire euh, sauf que à midi il y a le repas euh, qui arrive, donc en fait le fait le timing il se met tout seul en place. Mmh. Euh, euh, donc les directions peuvent être euh, les plus euh, bienveillantes possibles, ouais, le plus souple euh, possible. Ouais. Voilà, le plus souple possible en fait sur ce qu'elles peuvent mettre en place. Moi pour le coup euh, dans les pads dans lequel je travaille euh, c'est le cas. Euh, ils essayent de, de tout faire vraiment pour que les aides-soignants soient, soient, soient le plus souples confort on va dire dans, dans leur travail mais euh, en effet le fait que l'enveloppe budgétaire donnée pour euh, l'ouverture des postes et, euh, et même du matériel euh, n'est pas suffisante euh, par rapport à, à ce qu'on peut rencontrer comme nombre de, de chambres donc de résidents euh, et de fait malgré euh, toute la bonne volonté de, de, des directions des cadres euh, etc et on peut on peut descendre très très loin euh, il y a une réalité institutionnelle, il y a euh, un réel manque d'effectifs et, euh, et on se retrouve en effet avec euh, des soignants au-delà du résident qui, en, qui, qui va en pâtir, mais des soignants qui en souffrent mmh. réellement et euh, qui sont dans un stress permanent. Et, euh, et j'entends du coup, moi, sur, sur mes formations, elles sont, elles sont ravies en effet de, de, de voir euh, des choses nouvelles, des, des, euh, des, pas des techniques, mais euh, mais... mais d'avoir des, des moyens idées, nouveaux. Ouais. De, de, voilà, des moyens nouveaux, en fait. Euh, mais elles me disent tout de suite, alors, c'est super, j'adore, elles ont la banane quand elles sortent, mais euh, elles, elles me le disent. Mais j'aimerais je, je, vraiment pouvoir mettre en place tout ça, mais je ne sais pas comment le faire. Parce que je n'ai pas le temps de me réadapter. j'ai pas le temps de, de, de faire mes expériences différemment. Parce que je suis dans le rush. Mmh. Et, et ça, c'est problématique. Et euh, on a tendance à, à en effet à voir, on a en face de nous en direct donc les aides soignants, les soignants qui sont sur place, euh, les directions. Mais en fait, on voit, en effet, il faut voir plus haut parce que c'est de là où tout descend. Et, et bah, de là-haut, on nous donne, on nous donne le budget, on nous donne les évaluateurs. Les évaluateurs après, ça remonte. Mais en, en effet, il y, y, y a un effet de. Euh, bah, voilà. Moi, ma question, c'est qui doivent être les évaluateurs Est-ce que c'est ceux qui doivent nous donner l'argent parce oui. que là, on est sûr que... Ouais, ouais. En fait, là, là bah, c'est l'ARS qui vient nous, nous évaluer. C'est des oui. médecins de l'ARS. C'est l'ARS qui subventionne et c'est l'ARS qui... Voilà. Marche. Bah alors c'est l'ARS qui subventionne, c'est-à-dire que ne subventionne pas avec son argent, l'ARS hein, subventionne avec oui oui argent. mais je veux non, dire c'est euh, l'ARS qui dit oui je voilà c'est pour ça que je repars oui, hein, c'est-à-dire que tout ce oui. système-là fonctionne parce que bah nos, nos, vous savez le le, oui, entre oui, oui. le le brut et le net bah, <laughs> donc l'ARS n'est oui. pas une entreprise à but lucratif privé qui a des fonds l'ARS elle a l'argent bah, des fonds publics c'est-à-dire bah, le nôtre hein. euh, et effectivement bah, ça pose la question de bah, à un moment donné, est-ce qu'il y a une sphère, c'est-à-dire que moi, ce qui, ce qui me questionne quand même, c'est que c est, c est, ces gens-là, euh, ils ont des enfants euh, pour arriver, on le voit à un EHPAD, il faut quand même, euh, comment dire, voilà, il faut, faut, faut des moyens. Donc on, on est sur des personnes qui, qui peuvent être vigilantes, donc qui, 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 qui entre guillemets sont entre, capables euh, d'appeler le directeur, euh, de, de, de signaler. et À un moment donné, bah ouais, tu vois ta mère, ton père qui est maltraitant, oh. À quel moment euh, tu vas pas voir le directeur pour dire c'est quoi ce délire Donc, com com comment Amie, ça se fait qu'il n'y ait pas. Enfin, que là, tout d'un coup, avec l'affaire Orpéa, les gens semblent découvrir ça Ouais, ça c'est, enfin ça c'est le truc un peu. Enfin euh, d'un côté, euh, tout le monde se révolte maintenant. Bon, en plus on est en pleine période politique. Enfin, on est en pleine période aussi où il y a les élections qui arrivent. Et là, tout le monde s'offusque et tout le monde dit il faut faire quelque chose, etc. Mais bon, en attendant, personne ne propose rien depuis qu'il y a eu tout ce, tout cette médiatisation. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un proposer quelque chose dans ce sens C'est-à-dire proposer une solution économique pour accompagner et augmenter les effectifs bah pendant ce temps-là, non. Euh, donc euh, voilà, il y, y a tout ce... C'est très très compliqué. En fait, il ne faut pas prendre les situations sans le contexte organisationnel. Et moi, c'est plutôt ça que, auquel je pense. C'est que euh, je pense que les situations, elles existent. Et je ne, enfin, je ne nie pas que malheureusement, il y a des structures qui fonctionnent très très mal, qui sont très dysfonctionnelles, cause de la direction, cause de le management du groupe. Con cause du manager régional du groupe parce qu'il hein, y a des niveaux avant d'arriver ah, au gros manager là-haut. Strat, 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 strat. Voilà, on, on est, est sur sûr, du ouais. la strat plus plus plus. Hein. Et puis il y a les actionnaires derrière quand euh, quand on est en bourse ou quand euh, on est euh, on est sur un gros panel. Donc euh, et puis il y a aussi les fonctionnements dans les pays différents avec les cultures différentes, ça c'est ouais. autre chose. Mais donc du coup, enfin euh, c'est c'est toute la complexité. C'est on peut pas prendre la situation de maltraitance. Enfin hein. là comme ça a été fait en vidéo. C'est on a pris une situation à un instant T sans le contexte, en fait, euh, derrière. Et donc, on, certains bah, en profitent pour s'en prendre à laide en disant, bah oui, c'est elle qui a filmé. Euh, Qu'est-ce qu'elle faisait à filmer plutôt que d'aider mmh. Et puis, euh, d'un autre côté, on a la vision. Euh, bah oui, elle a eu raison de filmer parce que ce n'est pas une situation normale. Elle devrait pas être toute seule pour donner à manger euh, à autant de résidents. Et euh, ils ne devraient pas avoir ça à manger. Enfin, quand on regarde le plat, voilà. Donc, en fait... Euh, on n'a pas le contexte et du coup, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et c'est toute la question de qui évalue, qui subventionne qui... et il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes qui fassent tout ça. Bah, cl clairement, il y, y, y a ça. Après, il y a, a d'autres enjeux. là. Il y a l'éduc spécialisé qui nous dit qu'il y a eu l'effet confinement aussi peut-être qui a révélé, au-delà de l'isolement, l'ensemble des problématiques ouais. déjà existantes depuis longtemps. Effectivement, en fait, j'ai l'impression… Désolé, bah, hein. je... l'humour noir. J'ai l'impression que il faut que des vieux meurent pour que les gens se rendent compte. Canicule 2003. Ah, tout d'un coup. Ah mon Dieu! Des gens meurent parce qu'ils meurent de soif parce que personne ne va les voir. On s'en rend compte, ouais. Sauf qu'en fait, ça, ça, fait des années que ça existait et du coup, des années que boum, on en parlait, on s'en foutait et on s'est rendu compte. Là, il a fallu le confinement pour effectivement se rendre compte que, eh oui, 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 effectivement, vous savez, tout ce que vous avez mis en place pour l'accompagnement, ben bah oui, il y a des écarts. Il n'y a pas que des écarts. Attention, il n'y a pas que des écarts, mais oui, il y a des écarts. Et de ce que vous nous dites, les écarts ne sont pas liés à des personnes. Ça arrive, attention, hein, ça arrive. Oui, oui. Des professionnels déconnants, ça arrive. Attention. Oui, ça existe aussi. Hein. Euh, ça existe aussi. Sûr, hein. On n'est pas dans un monde de béni-oui-oui en mode euh, tous les travailleurs sociaux, on est génial. Non, 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 non. Des il y en a partout. Ça, c Et plein. puis il y en a qui veulent pas être ici. Du coup, qu'il le faut ressentir. Oui, il y en a qui, c'est plutôt un choix, euh, on va dire, alimentaire, donc qui font euh, partisans du moindre effort, etc. Ça, 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 ça existe. Hein. Euh, mais de ce qu'on comprend, c'est plus, effectivement, donc euh, l'essence même euh, de, des EHPAD, des structurations, des lois, de qui évalue, de qui finance, de comment c'est financé, etc. Et il y a Cyril Leduc qui nous dit euh, que la loi grand âge et autonomie a été mise de côté. Alors, du coup, je suis pas renseigné, quelqu'un sait, la loi grand âge et autonomie, ça correspond à quoi non, non, non non. Non, attendez, je vais non, non. Je sais que, je sais que ça me parle. C'est il y a eu des plans comme ça. Alors, notamment en lien avec euh, tout ce qui était euh, organisationnel, tout ce qui est PASA, la création des PASA, euh, tout ce qui était euh, plan Alzheimer aussi qui a pas mal fait bouger les choses. Euh, mais je sais pas si c'est en lien. Alors... La diantro, elle doit être calée là-dessus, elle est pas là la trop Je sais pas, je, je, je regarde pas qui est dans le chat. Euh, et, euh, alors, euh, Brigitte Bourguignon, bonjour madame. Euh, j'essaye, j'essaye, j'essaye. C'est des concertations, grand âge et autonomie 2018-2019. C'est pas ce qui va nous intéresser. Consultation place des personnes âgées 2020-2021. Euh, comment améliorer la place des personnes âgées dans la société euh, tac, tac, tac. Plusieurs axes. Accorder la priorité à la prévention à domicile comme en établissement. Repenser et faciliter le parcours de santé des personnes âgées. Améliorer la qualité des soins et des accompagnements en établissement. Renforcer de la confiance des personnes âgées et de leur familles. <laughs> euh, soutenir les professionnels et améliorer la qualité de vie au travail. Donc, a priori, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, Thierry Léduc nous dit en gros, ça devait parler justement en septembre de revoir l'organisation des EHPAD, par exemple, suite à Covid et ajustement. Euh, C'était une promesse du quinquennat remise de côté. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que là, avec les élections, il n'y aura rien. Il n'y a rien qui bougera avant. Il euh, n'y aura que des effets d'annonce. Tout simplement parce que le gouvernement en place n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir faire bouger les lignes. Euh, et que il n'y aura que des effets d'annonce pour pouvoir effectivement euh, euh, soit se mettre bien pour l'électorat, soit au contraire essayer d'aller chercher un autre type d'électorat, etc. Euh, Marianne nous dit on dirait une loi Taquet. Euh, on, va, on va faire une émission spéciale. Stop au bashing de monsieur Taquet Il fait des choses pas mal pour un commercial. D'accord euh, Imaginez le pauvre, on le balance là-dedans, euh, il ne sait pas. Qui c'est le ministre euh, du grand âge en France d'ailleurs C'est Véran bah, Le ministre de la Santé et des Solidarités, ouais c'est vrai. Euh, ouais, un ouais, secrétaire, ouais. Euh, là je vois Brigitte Bourguignon, est-ce que ça serait elle Un spécialiste grand âge Ouais. Peut-être. Enfin Est en vous tout cas, elle 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 dans minute. le chat. Les adresses oui, oui. de euh, Google pour euh, le quiz. Euh, mais on sait pas sur Adrien SVP. Moi, moi, je vais faire, je vais faire vraiment une vidéo stop au, au taquet bashing euh, parce que vraiment, vraiment, euh, je, vous je vous trouve dur à chaque fois avec lui. Euh, c'est terrible, le pauvre. Il y a X Qualala qui parle de la question de quelle considération avons-nous pour les personnes âgées dans notre société si ce n'était pas ça finalement la vraie question. Mmh. Mais je pense que c'est, je pense que y a une vraie réflexion sur le regard qu'on porte aux personnes âgées. La personne âgée, c'est euh... Ah, oh, elle est ridée. Ah, euh, elle, a, elle est pas belle. Elle laisse un qui tombe, machin. Enfin, ouais. alors que le bébé, c'est tout mignon. Tout le monde a envie de le toucher. La personne âgée, personne n'a envie de la toucher. Personne n'a envie de la prendre dans les bras. On, a, on la prend comme une. Enfin, on pense que c'est une petite chose fragile. Et il euh, n'y a plus de contact. Euh, et euh, tout ce qui est question de la sexualité, de la vie affective, oui, tout à fait, bien sûr. Les personnes âgées, elles, elles peuvent encore avoir une vie affective et sexuelle. Et euh, c'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est le rapport à la personne âgée euh, concernant les bébés. Euh, tout le monde va aller travailler avec les bébés, c'est beau, c'est mignon. Je pense que s'il y avait une chose à la crèche, elle ne dirait pas tout à fait ça. C'est mais... Mais ce que en Marina cas... vient de dire. Euh, viens bosser en crèche, tu vas vite comprendre le ras-le-bol. <laughs> <laughs> non, mais c'est clair. Vrai. Mais, mais il y a cette vision bien dans bien la société. Dans euh... la société, il y a quand même cette vision-là de... Euh... Oui. Euh de euh, du bébé euh, quand on voit un bébé tout le monde a envie de le toucher et quand on est une personne âgée bah, on n'a pas envie bien de bien. on détourne les yeux parce que bah ça reflète ce qu'on va devenir en fait et je pense que c'est ça aussi Ça renvoie mmh. beaucoup de choses hein. euh, d'ailleurs c'est des sujets qu'on a avec euh, avec les professionnels qui travaillent en gériatrie euh, de manière générale c'est qu'est-ce que nous renvoie euh, la personne âgée, qu'est-ce que nous renvoie le vieillissement euh, Alors, souvent, c'est des choses inconscientes, hein, mais euh, on, co comme dit euh, Xcolala, c'est euh, quelque chose à la base de tabou, on n'en parle pas. Euh, on en parle euh, peut-être en effet quand il y a des gros, euh, des gros buzz euh, comme là, mais euh, c'est un sujet qui est, vraiment, euh, qui, qui est vraiment à traiter, à, à parler, parce que. Euh, parce que ça, ça peut en effet nous renvoyer euh, des choses qui nous font peur, des choses euh, qui, qui vont nous rebuter, euh, sans trop savoir d'ailleurs forcément pourquoi. Donc euh, je pense que oui, c'est un sujet de manière générale que la société ne, ne, ne traite pas, ne, ne, ne parle pas. On va en effet parler beaucoup des enfants, euh, mais la personne âgée, euh, c'est vrai que euh, c'est un peu... Euh, les, les oublier, on va dire. D'ailleurs, moi je fais partie, euh, partie d'une structure qui a différents services. Euh, et, et en effet, il y a, y, a y a ce travail de la direction de l'EHPAD de, de montrer que ce n'est pas un mouroir. C'est mmh. un lieu de vie, euh, un, un, un lieu de vie où on propose des choses euh, aux, aux personnes qui y vivent. Euh, des, des, euh, des choses associatives, des, des, des activités, des, euh, des, des vrais moments de partage. Euh, et ce n'est pas tout le monde, euh, tout le monde dans son coin, dans sa chambre, à attendre euh, que le, le temps, temps passe. passe. Euh, voilà, non, c'est pas ça. Sauf bah en cas. Alors, pas dans toutes voilà. les structures. C'est ce que ouais. j'allais dire. En, en, encore une fois, je généralise parce que voilà, mais euh, on a en effet des, des structures qui vont être euh, qui vont être euh, pas du tout dans ça, qui, qui vont faire le moins possible, proposer le, ben rien euh, et laisser les, le temps euh, du coup passer. Mais, euh, mais moi, en tout cas, dans, dans les EHPAD dans lesquels j'ai travaillé, c'était pas ça. C'était quelque chose, un lieu de vie, de partage. On essaye de proposer des choses euh, pour les personnes qui y vivent et essayer que ce soit un, un lieu de vie. Donc, qui dit lieu de vie, c'est que ce soit vivant et euh, que, que, que ça propose quelque chose. Euh, euh, qui, qui fasse plaisir en fait, un, un lieu de vie euh, agréable, voilà. Et ça c'était pas as assez que as bien tranché. Moi je pense que t'as bien as bien tranché. C'est le côté où euh, je pense que si on en revient à la question du début où là maintenant on est un petit peu plus euh, opérationnel pour y répondre, je pense que c'est vraiment ça. C'est euh, comment vivre au mieux avant la fin, avant la mort. Comment accompagner, se vivre mieux. Et se vivre au mieux avant de mourir. Et je pense que, enfin, c'est normalement le rôle des institutions, le rôle des structures, des professionnels qui exercent, d'accompagner cette fin de la meilleure des façons qui soit en proposant des expériences de, vi de vie. Euh, je vois. Et effectivement, toutes ces Questionnement, si on prend le fond, une fois qu'on a compris que c'était organisationnel et que le problème, il, est, il était finalement sociétal, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de nos vieux Il y a dans le chat, effectivement, il y a, y a quelque chose de l'ordre de, 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 la, de la pop culture, donc de, de comment on construit notre vision. Euh, C'est quoi un vieux aujourd'hui C'est quoi notre image du vieux C'est pareil, elle évolue aussi, euh, de la même manière que dans les rôles sociaux qui étaient accordés aux uns et aux autres, avant, être vieux, c'était être mamie, papi. Il n'y avait pas d'autre fonction, il y avait autre chose, ou c'était ceux qui faisaient les safaris euh, s'ils avaient de l'argent. Euh, mais sinon, on n'avait pas d'autres. Et on n'a jamais abordé la question bah, de, de, de comment bien mourir. La question de la mort en France, elle est complexe. Elle est très compliquée, si ce n'est elle est taboue. Euh, et je vous rejoins sur le fait que oui, quand on parle des EHPAD ou autres, souvent, ça nous renvoie à soi, à nos propres peurs, à notre propre peur de vieillir, à nos propres peurs de perdre nos proches, etc. Et du coup, ça... Ça squeeze, je trouve, le débat. Euh, ça squeeze un petit peu qu'est-ce qu'on qu qu en veut, puisque si on prend ne serait-ce que des événements qui, qui se sont passés là récemment avec le confinement, vaccination, pas vaccination, finalement, ça rejoint. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a eu un référendum spécial vieux pour savoir ce qu'ils voulaient faire. À aucun moment. Euh, on a décidé à leur place. Alors qu'il y avait plein de vieux, hein, de personnes âgées qui étaient en mode, mais laissez-moi tranquille. J je fais le choix je, je suis tout à fait conscient etc et arrêter de vouloir euh, euh, comment dire euh, sacrifier l'un par rapport à moi j'ai rien demandé et c'est vrai qu'on est on est beaucoup on est, on est beaucoup là dessus c'est à dire qu'on pense beaucoup à la place d'eux euh, mais finalement ce sont des jeunes gens qui pensent à la place d'eux euh, sans bah, réellement demander bah, c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce que vous voulez donc pour répondre effectivement à la question de, 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 de ce que vous avez finalement tranché c'est que oui les EHPAD, c'est avant tout des lieux de vie. Euh, en tout cas, ça devrait l'être. Parce que bah, avant de caner, bah on continue de vivre. Attention, on n'est pas dans des choses où bah, euh, on attend... Euh, c'est pas des mouroirs. La pop culture, comme ça a été dit dans le chat, a beaucoup participé. Euh, beaucoup participé à une vision de... de, de, de du vieillissement, je trouve que ça serait intéressant de faire une émission SCS justement sur, sur comment la pop culture a, 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 a changé ou a ancré certaines images. On parle dans le chat de Tati Daniel, si conna... peut-être que certains ne connaissent pas, mais si vous connaissez effectivement, Tati Daniel, c'est la caricature de la vieille peau. Euh, qui, si je ne m'abuse, euh, chie euh, dans son ben pour faire chier euh, euh, ses enfants. Enfin, on est, on est un petit peu là-dedans. Et effectivement, tout ça, ça nourrit, ça nourrit un imaginaire, ça nourrit une façon, une façon d'accompagner. Et peut-être que il y, y a, une question qui est plus, plus en profondeur à, 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 à se poser. C'est, euh, pour l'instant, on n'est que sur quelques modèles euh, d'institutionnalisation. Les EHPAD. Est-ce que bah l'idée c'est pas d'en créer d'autres euh, pour favoriser le fait que bah oui en fait ça reste avant tout des lieux de vie. Euh, et avant que tout le chat me spam 22h10, il est 22h10 donc en une phrase du coup pour Mélanie donc c'est un lieu pour vivre. Pour toi Laura c'est un lieu pour vivre Oui ça dépend où. Ça dépend. Oui voilà en fait à nuancer. Dans l'idée <laughs> c'est un lieu pour vivre c'est ça mais encore une fois, dans les organisations et dans certaines personnes qui gèrent ça, potentiellement c'est autre chose. Il y a d'autres enjeux. Donc, à chaque enfant, à chaque personne, de bien se renseigner, de bien être ouais. au fait. De et visiter, aussi... de discuter, d'aller de, 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 lui faire visiter, d'aller ouais. préparer leurs parents à l'institutionnalisation. Tu me laisses deux minutes pour répondre à la question de Romy sur les, la question des 3000 euros Je t'en prie. Euh... Moi aussi au début j'étais choquée du, du rapport prix euh, dans les établissements, je pense aux EHPAD privées hein. euh, en fait euh, quand j'en ai discuté avec des responsables, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit Mais Laura, prends euh, un première classe, un campanile de base, où tu dors et euh, tu manges euh, le midi. Bah tu vas en avoir pour combien de ta de ton hôtel? Euh, pour dormir avec hébergement, avec, euh, avec ton repas le midi, le soir, le petit déjeuner et le 4 heures. Et ben bah, tu fais les comptes et tu multiplies par le nombre de jours. Plus tu rajoutes les services et euh, l'accompagnement, les salaires en fait que tu divises par le nombre de jours. Et ben bah, en fait, tu vas te rendre compte que pour un établissement de 70 personnes, bah finalement sur euh, 2005, 3000 euros, un EHPAD il va pas se faire autant de marge que ça. Enfin, quand il quand y a un accompagnement derrière, qu'il y a un cuisinier qui est bien présent, qui fait des plats diversifiés, etc., bah, en fait, quand on rapporte à certaines structures dans le fonctionnement tout ce qui s'investit, les activités qu'ils proposent, etc., bah, ça ne fait, ça fait pas tant de marge que ça. C'est-à-dire qu'il y, y a forcément, c'est l'institution, forcément, il y a des charges. Et que euh, c'est pareil hein, dans l'idée de se dire, ils sont. il y a, je pense, toujours certaines... Si c'est à but lucratif, il y a toujours des marges qui se font. Pour oui, il y a des marques. pour ces pour ces organismes-là, euh, mais qui vont le faire. Euh, voilà, j'ai eu le vent d'un Ehpad où effectivement on était plutôt dans une sorte de, ils euh, une sorte d'EHPAD de luxe où du coup euh, euh, le, le la cantine c'était plus un réfectoire, c'était euh, tout d'un coup on mettait des, des des plats spécifiques, etc. Enfin, on était dans un délire de uh, all inclusive. Un petit peu euh, euh, qui, qui, qui peut correspondre à un certain public euh, ou non. Donc effectivement, il y, y, y a des charges qui sont liées à ça. Donc peut-être, peut-être que bah, la solution c'est d'autres types ou encore une fois une meilleure considération. De l'accompagnement de la vieillesse et, et, et aussi une diversification euh, de, 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 ces, de ces accompagnements. Euh, Marina se posait une question, elle a mis longtemps à la poser. donc Moi, je me pose une question est-ce que si l'État donnait la possibilité de mourir dans la dignité, il y aurait autant de personnes en structure Ou oh, le gros dos euh... il faut Ça sera une autre soirée, ça. Ouais. mais on, on se la... Alors, je ne sais pas si on va la faire, mais effectivement, c'est une vraie question. Euh, mais là pour ce coup il faudrait inviter des personnes qui vivent dans un pays où euh, l'autorisation de mourir est, est actée euh, mais effectivement c'est une vraie question euh, Marina c'est vraiment peut-être la question de fond euh, dans le sens où peut-être encore une fois que la question de la vieillesse et la question de comment mourir c'est plutôt, plutôt cette question là qu'il faudrait se poser c'est à dire comment je veux vieillir et comment je veux mourir euh, et que là en France on n'a pas, pas trop le choix on n'a pas trop le choix euh, qui pose après d'autres problèmes très éthiques euh, du rapport à la vie, du rapport à la mort, etc. Donc on n'ouvrira pas le, le débat là, puisqu'il est, il est 22h15 et qu'il faut qu'on passe à la suite, euh, puisque là j'ai déjà eu dans le chat effectivement que la tisane était, était en train de chauffer limite. Donc, euh, donc on, va, on va passer à la suite. Euh, forcément, c'est forcément frustrant hein, parce qu'on a envie de continuer sur ce, ce, ce genre de sujet. Ça ne veut pas dire qu'on termine et qu'on reviendra jamais sur ce stream, sur ce sujet. Non, non, ça veut dire qu'on se garde les questions, bien sûr. Et euh, l'idée, c'est bah, de, 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 de faire avec vous et de pouvoir traiter là-dessus. On referme cette page et on va passer à quelque chose donc effectivement on parlait de euh, lieu de vie euh, il y a l'éduc spécialisé qui parlait effectivement que en soi même un sens comment dire un, une unité de soins palliatifs c'est une unité de vie et je vous invite vraiment à vous intéresser à le taf qu'est fait en unité de soins palliatifs c'est magique c'est merveilleux ce qu'ils font on est dans c'est pas un mouroir du tout hein, c'est un accompagnement oh Kick. Tout, je trouve que tous les services devraient s'en inspirer, euh, puisqu'on est vraiment au cœur des personnes, des souffrances, de l'accompagnement au bien-être, et c'est archi cool. Euh, mais bref, on va se poser la question, euh, la question, une question essentielle. Attention, euh, je vous invite le chat aussi à participer. La question essentielle du jour, elle est là. On va devoir, vous trois et j'invite tous les viewers à le faire, classer les institutions dans lesquelles vous vous voyez vivre du pire au meilleur. D'accord On va faire un petit classement et on va avoir quelques minutes pour le faire. Et on va devoir effectivement dire mon top 1, mon top 2, etc. Donc, dans, dans ces différentes institutions, on a euh, l'EHPAD. Euh, unité euh, Alzheimer. Attention, je précise bien, parce qu'il y a différents EHPAD. Donc, EHPAD, Unité Alzheimer, en maison d'accueil spécialisée, euh, en unité carcérale en maison d'enfants à caractère social ou en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Voilà, c'est la question essentielle du jour. On va se poser la question. On est, alors on va parler, on va, on va être sur la, la novlangue langue d'aujourd'hui, on va être des utilisateurs. Classer ça euh, du pire au meilleur. D'accord Donc vos top 1, c'est le pire, votre euh, top 5, c'est le pire, top 1, c'est le meilleur. Ok D'accord Donc... <laughs> pour le chat aussi. Bien sûr que c'est chaud. Bien sûr que c'est chaud la conscience sociale. C'est normal. Donc, on réfléchit bien. Hein, D'accord. EHPAD, unité Alzheimer. Maison ah, d'accueil spécialisée. C'est cool. propre à soi, encore une fois. C'est son lieu de vie. Voilà. Si vous aviez le choix. Euh, unité carcérale. Maison d'enfants à caractère social, donc je, je, je vais préciser, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, donc et pas d'unité Alzheimer, hein, pour ceux, pour vous laisser le temps un petit peu de, de réfléchir, de faire votre top 1, votre top 5. Euh, donc on est sur effectivement les institutions dont on, on va parler, avec, il y a certaines de ces institutions qui font des unités spécifiques pour les personnes qui ont Alzheimer. D'accord euh... Maison d'accueil spécialisée, donc c'est dans l'univers du médico-social. En général, les maisons d'accueil spécialisées, ça accompagne euh, des personnes qui sont en situation de polyhandicap, en général. Hein. Après, il peut y avoir des, des projets spécifiques. Donc, dans l'accompagnement H24, d'accord euh, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, avec euh, des, euh, si c'est du polyhandicap, de graves pathologies associées. Unité carcérale, bah, la ZOZON. Voilà. Euh, je, précise, je précise pas quelle prison, mais ce n'est pas la prison de la santé. Déjà. Hein, parce qu'on pourrait choisir ça en disant je veux mon hall inclusif, prison de la santé. Non, non. Euh, maison d'enfants à caractère social, donc les mecs, c'est de la protection de l'enfance. Il des foyers pour des personnes qui sont euh, placées euh, suite à administratif ou jugement euh, dans le cadre de la protection de l'enfance, donc de. Euh, euh, bon, zéro, c'est pouponnière, mais deux, aller de 3 ans jusqu'à 18 ans, voire 21 ans pour certains. Euh, et centre d'hébergement et de réinsertion sociale. On est, bon, plutôt. Alors, ça peut varier. On est on peut être avec des, des femmes avec enfants, on peut être sur des personnes qui sont euh, migrantes, on peut être sur des personnes qui sont dans des situations sociales difficiles et qui ont besoin effectivement d'un toit euh, et de euh, rebosser euh, tout ce qui est euh, peut-être emploi, trouver un emploi stable, trouver un logement fixe, etc. etc. Donc, on va être sur... Multi-problématiques, euh, mais qui sont de l'ordre effectivement plus du social. Euh, voilà un petit peu. Euh, je vois qu'il y a déjà des réponses. Euh, Est-ce que nos invités ont, ont, ont fait leur top ou pas Ouais, c'est bon. Ouais, Mélanie euh, Attends, j'hésite entre deux là. Ok. Euh, on fait vos tops et ensuite je rebondis sur les tops, euh, les tops du chat. Ok. Alors. Euh... Oh, du pire, donc le pire pour moi, ce serait ouais. l'unité carcérale. Ok. Ensuite... Euh... Pourquoi J Pourquoi l'unité carcérale ouais. oh, je... Pourquoi qui m'intéresse Parce que euh, je serais pas sereine d'aller prendre ma douche. <rire> <rire> euh, ensuite, unité... Euh... Ah, je me... J'ai vu trop de films badants sur ça, du coup. Encore les films, c'est terrible! à part si je suis vraiment dans une cellule isolée, il n'y a personne qui vient me voir, il faudrait vraiment que tu fasse un truc de ouf, quoi. D'accord, donc. Ou alors qu'il y ait le gars de Prison Break dans ces cas-là, peut-être. Unité Unité Alzheimer. Ouais. Ensuite, parce que ouais je pense que tu te marres mieux en unité carcérale, okay. euh, la masse, la maison okay. d'accueil spécialisée. Ok. Euh, je pense que, euh, je pense que du coup, je pourrais, enfin euh, voilà, je pourrais aussi accompagner euh, et faire en même temps parce que aussi quand on est ancien soignant, des fois on aide un peu aussi. Euh, mmh, tu, tu sens etc. que tu serais valorisé si, si tu serais là-dedans. Bah, pas valorisé, mais en tout cas euh, en maison d'accueil, enfin. Euh, J ah ouais mais attends je... maison d'accueil spécialisée ouais comme ouais si euh... la masse la maison d'enfants mmh. à caractère social euh, parce que bah je, voilà je, peut-être je pourrais les accompagner aussi enfin du coup après c'est le côté soignant qui reprend le dessus quoi oui, je vois ça mais Et... c'est de vivre hein, dedans hein. ouais 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 euh, <laughs> mais du coup euh... Ouais, c'est vrai que les enfants, sérieusement, euh, je préfère encore vivre. Je sais pas si je préfère vivre avec des personnes à Alzheimer, je crois. Ouais. C'est la seule ouais, de la Quoique, les personnes qui ont Alzheimer, elles dorment pas beaucoup. À certains stades, ils... elles ont du mal à dormir, alors que les enfants, à un moment donné, ils dorment, quoi. Alors non. Toi, le sommeil, c'est euh, ce qui compte. Ouais, ouais, du coup, complètement bah, pas de sommeil. Ça, 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 du ça, ça, coup, des des je. Euh, Inopiné. Euh... En pleine nuit, quoi. Ouais, <laughs> voilà, enfin, la déambulation, tout ça. Euh, <laughs> du coup, centre d'hébergement et de réinsertion sociale... Euh... Oh, en fait, c'est dur. Non, en fait, je voudrais changer mon classement. <laughs> Vas-y, Mélanie. <laughs> Vas-y, Mélanie. <laughs> ah, J'ai eu, les... eu à peu près les mêmes doutes que toi, là. <laughs> euh, en dernier, unité carcérale... Euh, pour que... le lieu de vie en lui-même, en fait. Pour oh, euh, la télé et tout. Ouais Les bon je sais pas, c est... C est cadré. Je pense que je pense que comme Laura hein, j'ai vu trop de films. <laughs> Donc je sais pas trop, tu vois. <laughs> okay. euh... Non ouais, pas gloupe Donc euh, ouais peut-être l'unité carcérale en, en dernier. Euh, J'hésite entre la masse et l'EHPAD euh, Alzheimer euh, en 4 et 3. Parce que, euh, en fait, t'es pas d'Alzheimer, en effet, euh, bah. T'as quand même bah, l'Alzheimer, en fait, en soi, et vivre avec des gens Alzheimer, c'est pas forcément évident tous les jours. Ouais. Euh, et t'as le côté un peu euh, euh, unité euh, protégée, donc tu. Il y a des activités et tout, quoi. Oui, il y a des activités <laughs> et tout, ça, euh, oui, ouais, complètement. Euh, Chacun donc ses priorités. En fait, comment Chacun ses priorités, si les activités ça compte, effectivement, il y a des activités. Ah oui, complètement. Mais en fait, euh, pourquoi unité carcérale euh, bah, en fait j'en ai une très mauvaise vision, je pense c'est euh, peut-être ouais. possible. Euh, par contre, c'est vrai que EHPAD Alzheimer, bah il euh, y a des activités mises en place. Euh, c'est vrai que y a un... enfin, en fonction des EHPAD, il euh, y a des locaux qui vont être adaptés euh, à la maladie en elle-même. Enfin, ça peut être quelque chose euh, de très bien euh, conçu euh, avec un accompagnement sympa. Euh, les masses, je connais pas bien, donc euh, je ouais peut-être peut d'abord et pas d'Alzheimer et ensuite les masses, mais ça ça va être ma méconnaissance en fait de la structure en elle-même. Dans, dans donc, le doute euh, middle quoi. Ouais ouais voilà euh, j'ai bossé en Mex donc elle lire en deux quand même. Top 2 la Mex. Ouais. Oh la vache. Eh, écoute euh, ça dépend des Mex encore oh une la fois. Vache. Ouais ouais. Ouais. <laughs> Mais, en fait, c'est la représentation que j'en ai entre euh, bah, la personne âgée, l'enfant, enfin, tu vois. Euh, voilà mm -hmm. Après, euh... ah, ouais, c'est dur aussi, quoi. C est, c est dur, quoi, là, mec quoi On va voir si vous ah. vous laissez convaincre par le, par le chat, pour le coup. Euh, parce que l'idée, c'est de voir aussi des autres top, hein, pour, pour peut-être vous vous, vous bah, euh, le top c'est l'unité Alzheimer selon moi, pas euh, grâce à l'unité mais grâce à la maladie, euh, après Alzheimer en oh mec ça doit être tout cool mais c'est rare, je pense que c'est le fait d'oublier, euh, peut-être effectivement que ça, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait passer la pilule, euh, Isquala dit 5 EHPAD, 4 unités carcérales, 3 centres d'hébergement et de sociale, 2 maisons d'enfants à caractère social, 1 la masse, euh, J'irai en mecs pour les punchlines magiques qu'on y entend régulièrement. 5 euh, centres d'hébergement pour Marina. 4 euh, repas, 3 unités carcérales. 2 euh, masse. 1 maison d'enfants à caractère social. 1 euh, un, unité carcérale. 2. 5. Ok. Mec, ça dépend laquelle. Ouais, toujours. Hein. Euh, C'est marrant, les masses et les mecs semblent avoir pas mal de succès. Ouais. Truc de ouf. Euh... Alors moi, je supporte. Franchement. Je préfère Unité Carcérale en un mois. Ah ouais En fait, il y, y a quelque chose où... Euh, pardon, hein, je vais, je vais taunter gratuitement le travail social. L'idée, en Mex d'avoir des putains des ducs qui me disent quoi faire, quand faire, etc. Je me connais. Je me connais, je vais péter un plomb. Je vais être le type de jeune, en fait, qui va pas supporter, qui va dire, mais d'où, à quelle heure Ouais, mais c'est pour ton bien ferme ta pardon euh, du, du coup je, je pense que je supporterai pas donc pour mon bien et pour le bien des professionnels certainement pas la mex la masse pareil <laughs> on est sur le même délire de professionnels qui vont me dire quoi faire et oh, je vais pas supporter ça c'est sûr euh, centre d'hébergement et de réinsertion sociale à voir avoir. Euh, du coup, là, vous... tu, toi, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui aurait besoin d'être dans ce structure-là. Oh, de vivre dedans. Ouais. C'est-à-dire que moi, avec ouais, ma personnalité, ça. de vivre dedans, je préfère unité carcérale. Bah pourquoi t'as dit euh, en tant que jeune, je supporterais pas qu'on me dise quoi faire ah, mais en tant que jeune, c'est-à-dire que moi, <laughs> jeune. Euh, en fait, en mec, genre là, tu l'imagines. Euh, à, je à, à 15, mais laisse tomber. Laisse tomber. Oui, mais là, là du beau. coup, ah là, à 30 ans, là. Ouais. À 30. Bah, encore moins. 20... À 20 ans, 20 ans. <laughs> 35 piges, j'assume. Oh, pas de soucis là-dessus. Du coup, oh, à 35 ans, est-ce que demain, tu habites Du coup, tu as une petite chambre pour toi ouais. dans une ex Non. Ok. Non, 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 pétage de plomb. Euh, non, non, non. C'est. Euh, je, je, D'habiter dedans, non, non, c'est mort. Sarah, elle a, les... elle, a... elle a su utiliser les mots pour moi. Il y a... a noté salle de sport pour unité carcérale. Ouais. <laughs> ça, ça me plaît. plaît. Je privais, moi, ça me plaît, c'est bon. Voilà, voilà. Ouais, ok. Je... Je... Après, les douches, bon... Euh... Voilà, je pense qu'à un moment donné, euh... c'est quelque chose dont il, faut... il faut... faut sacrifier pour avoir sa petite tranquillité. Euh... Non, non, l'idée, pour moi, c'est vraiment... Non, c'est... Le prisme, moi, quand j'ai essayé de répondre à cette question-là, ça a été vraiment de se poser la question est-ce que c'est est quoi l'autorité que je supporterais Je pense que je supporterais ah, plus l'autorité d'un maton que les autres. Euh, parce que le maton qui me dit ferme ta gueule ou qui me dit euh, euh, tu t'es, c'est ça, en unité carcérale, c'est logique. Genre, pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. C'est les règles. Euh, en Mex, en masse. Oh la vache, non, non, je serais, je serais, euh, je serais insupportable. Moi je pense, j'aurais Alors... été un jeune en MEX, j'aurais été... Euh, j'aurais, partie des cas complexes. <laughs> Déjà qu'en termes de management, je suis un, un cas complexe pour mon manager. Euh, <laughs> donc, euh, donc non, 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 clairement, clairement vu ce prisme-là, non. Je me connais. La vraie Attends, question c'est quel prisme vous prenez Pardon, excuse-moi Mélanie. Vas-y, vas-y. La, la quelle question c'est, en fait, moi j'aimerais bien savoir dans le chat, et même pour toi... Euh... Monsieur Jules quel ouais. prisme tu prends en fait Donc toi, le critère, ouais. c'est l'autorité. Le rapport à l'autorité de à... la personne qui va t'encadrer. Voilà, le rapport à l'accompagnant. Je me connais, c'est ça qui me trigger le plus, vraiment. C'est ça qui, de toute ma vie, vraiment, euh, qui, a, qui a été ma, une de mes grandes problématiques. Euh, et que je reconnais plus l'autorité du maton, parce que c'est logique et cohérent, que celle des professionnels et attention, pas tous les professionnels action sociale, hein. euh, mais que certains éduc qu'on peut retrouver ou certains accompagnants qui sont en mode c'est moi le chef et <laughs> lol. Euh... Et c'est ça mon prisme à moi, pour le coup. Du coup, Mélanie, toi c'est quoi ton prisme euh... Moi je réagis beaucoup... Ouais, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. Je réagis beaucoup à tout ce qui est euh... injustice. Ouais. Donc, euh, tout ce qui va être... En, en fait, ouais, du coup, ça va changer mon classement. Je trouve que les décisions en Mexe peuvent être très injustes ouais. vis-à-vis de, de l'accompagnement qu'on peut faire des enfants. Euh, comme je disais, les masses, euh, je ne connais pas bien, mais euh, est-ce que les, les masses et les femmes, FAM, mmh. <laughs> euh, ça, se, ça se recoupe les femmes, peur de la masse, oui. Euh, Est-ce que les femmes et les masses, ça se recoupe Ça dépend. Euh, en fait, il y a masse, des masses qui ça, sont en fait. spéciales. Maintenant, c'est un peu flou. Hein. Euh, oui, mais avant, dans le sacro-saint, euh, masse, c'était égal polyhandicap beaucoup. Était égal ouais, donc alors, eh ben, la masse, elle va, elle va loin derrière, du coup. Parce que j'ai bossé en femme et... Euh... Ouais bah c'est ça. Enfin, en je... gros c'est ouais. un peu la différence elle est moins claire. Ouais ouais ok ouais c'est pour ça que j'entends beaucoup de femmes mais moins masse. enfin j'y suis moins euh... moins, moins confrontée au terme. Alors masse ça va aller euh... en queue de peloton avec la Mex du coup. Ouais euh, Et euh... Ah, en fait, ouais, bah, ça rejoint en fait ce que tu dis, ça va vraiment être par rapport aux critères de décision vis-à-vis -vis de, de ce que tu vas faire de tes journées, de, de comment tu dois euh, t'habiller, de comment tu dois faire ci, de comment tu vas faire ça, et euh, on va t'imposer en fait si c'est juste ou pas. Ok. Et toi, Laura, du coup Ah oui, pardon. C'était vraiment pas la ouais, la, la, popu la population avec qui, euh, à qui je peux être et me mmh. sentir plus ou moins en sécurité y a des gens du qui te, coup, rejoint le chat là-dessus. Ouais, la, la, je pense que le critère de population et après le critère aussi de quand même de confort du lieu <laughs> potentiellement euh, par rapport à l'hygiène par rapport enfin ah. c'était mon critère au début euh, sur ah l'aspect. Ce qui est important effectivement. Mais comme j'ai mes chaussettes tout le temps, je ne risquerais pas d'avoir de micros aux pieds <laughs> donc je suis tranquille. <laughs> Au niveau du chat, la question l'a fait. Elle a fait fortement réagir. Je euh, oui, a moins de moyenné parfois avec les éduques, avec les surveillants carcérales, c'est plus rigide, non euh, Oui, du coup, c'est plus cohérent. Euh, pour moi, hein, entre guillemets, euh, puis tu peux voir tes proches quand tu veux. 23 ans ans en protection de l'enfance. Moi, désolé, mais je préfère aller les aimer en unité carcérale, même. Euh, c'est fou des fois. Comme plus on a travaillé dedans, moins on a envie de vivre dedans. ce qui, ce qui je trouve est toujours assez particulier, comme. Euh, comme, comme 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 positionnement mais en même temps qui s'explique énormément par le fait que bah, c'est des fois l'institution qui porte certaines valeurs ou certains certains travers euh, perso Alzheimer je pense en euh, oui tu as peu ou pas d'intimité effectivement la question de l'intimité elle est particulière euh, je pense on pourrait faire ce classement là en fonction ouais, du rapport à l'autorité du rapport à l'intimité du, du, du rapport au niveau de confort euh, du rapport à l'accompagnement j'ai vu ça aussi euh, au type de, de, de posture des professionnels euh, on, pourra, on pourra revisiter cette question cette question à l'infini je trouve euh, parce que parce que la vision d'une d'une institution va euh, bah, bah dépendre effectivement de qu'est-ce qu'on qu va y chercher derrière. Euh, euh, un petit récap, d'où vous en êtes. Euh, alors, petit récap, d'où on en est. On a euh, parlé... Euh, des EHPAD, on a parlé effectivement de l'affaire Orpère, on a parlé euh, bah, du fait que c'était pas forcément qu'une question de personne, mais que c'était plutôt organique, hein, que, que ça se passait même au niveau euh, des lois et, euh, et, euh, et, et des tarifications du système. Euh, on, a, on a finalement conclu, pour un gros résumé, euh, que finalement les EHPAD, ça devait être un lieu de vie, et que peut-être que le questionnement, c'était plus... Notre façon de percevoir les vieux, notre façon de percevoir la vieillesse et notre façon de percevoir la mort qui était à, à, à prendre euh, en compte. Euh, et ça, c'était quelque chose qui était assez important à, 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 à mettre en place. Et là, on était sur une, une question essentielle hein, c'était de classer certains, certaines institutions. Euh, et finalement, dans les classements, on s'était dit qu'on pouvait, je pense qu'on peut, carrément projeter un SCS sur les institutions et de faire une petite analyse. Ou en tout cas, un, 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 un des petits jeux comme ça en fonction voilà euh, de, de classer ces, ces institutions en fonction du degré d'intimité, etc. Est-ce qu'on peut avoir de l'intimité quand on est dans une mexe, et quand on vit dans une chambre à 3-4 euh, Est-ce qu'on peut avoir de l'intimité quand on est en masse et que, bah, en fait on a besoin d'accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne euh, Qu'est-ce que l'intimité etc, etc. Le rapport à l'autorité et tout. Et là, on allait passer à euh, un petit quiz. Alors. Quiz, bonne soirée, euh, quiz un petit peu particulier, euh, vous, ceux qui ont l'habitude de la J-House, il y avait le quiz où j'étais, moi, contre le reste du monde, etc., et il y avait du Monsieur j à tout va, sachant que, évidemment je suis tout seul, je ne vais pas faire question-réponse, puisqu'on va m'accuser de triche, encore une fois. Euh, donc, petit quiz particulier, euh, que je vais vous présenter maintenant, hop Petite transition. Est-ce que le chat est bien mis là Attendez. Je règle aussi les problèmes techniques. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, on essaye. Euh, alors, vous pouvez répondre. Le chat aussi, d'accord. Euh, j'ai fait, j'ai dosé. Le quiz, c'est sur un petit peu l'actu, l'actu, l'actu de la société. Oui, pauvre Calimero Marina. Oui. Oui, j'ai bien senti qu'à un moment donné, le but était systématiquement euh, de faire du monsieur J bashing, et je vous le rends bien. Voilà. On a décrété qu'à la G House, on avait le droit de se permettre l'amour vache. Oui, même en 2022, on a le droit au second degré, on a le droit à l'amour vache. Voilà. À la G House, on cesse de parler. Hein on n'est pas à prendre la mouche directement. Hein euh, alors, qui a dit... Voilà, C'est une citation. Non, mais... euh, qui a dit Je souhaite que l'ordre règne à Paris. Il faut donc de la fermeté pour tous les citoyens qui seraient dans une attitude protestataire. Il y a un moyen très simple, pas violent, de dire ce que l'on pense, c'est de voter à l'élection présidentielle. Je vous en prie, dans le chat, vous pouvez aussi souffler la réponse. Euh... Annie Dalgo Eh ben. Oh. Effectivement, effectivement, non ce n'est pas Macron remise, oui c'est Anne Hidalgo, d'accord Anne Hidalgo Mère de Paris D'accord, qui a dit ça à une occasion particulière hein petit petit, petit point bonus Laura si tu as envie Je sais pas, lors d'un meeting euh... Je sais pas, ouais. ah, Il, il s'est passé quelque chose d'assez particulier ce week-end, hein, si vous n'avez pas regardé les infos Ce week-end par rapport au... Non, c'était pas les primaires populaires. Non. C'était pas par rapport à ça. Euh... Non, c'est par rapport. Euh... La, au convoi de la liberté ah quand même non, je, moi ce que je trouve incroyable c'est qu'on a des gens qui travaillent dans l'action sociale et qui sont pas au courant des faits de société en mode non non je suis dans ma bulle moi je, non non je, convoi je de la troubles, liberté ouais. Euh, je, je parle du fond des choses mais tu sais je regarde, je regarde presque puis maintenant euh, la télé enfin, je re... maintenant je vais chercher les infos si je regarde Hugo des en fait je regarde Hugo Descrypt, mmh. le récap tous les jours et ça me fait euh, ma petite minute euh, récap donc j'aime bien faire ça. ça moi aussi et puis quand là... euh, il ouais, mais... y a des gros trucs je regarde la télé et je me renseigne un peu mais voilà <laughs> télé n'existe pas en fait donc du coup c'est problématique mais il y a d'autres façons de s'infermer. effectivement mais... Hugo non, des mais trucs, exactement bon, euh, exactement, exactement. Euh, alors, oui, il y avait Pascal le grand frère dans le convoi ah bon, que... Incroyable. Notre Dieu à tous, Pascal le grand frère dans le convoi ah, de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez de cette déclaration C'est-à-dire qu'on est quand même sur un convoi de la liberté, on a eu quand même énormément de bashing sur ces, sur ces gens-là, une, une diabolisation de, de ces gens-là. Et je trouve que les, les discours par rapport à ça sont particuliers. C'est-à-dire qu'on est sur des gens qui revendiquent certaines choses et on leur donne ce genre de discours. Hein, je rappelle, il faut donc de la fermeté pour tous les citoyens. Euh, ce serait dans une attitude protestataire. En fait, si tu, si tu protestes un petit peu, il faut être ferme. Pas déconner. Euh, Anne Hidalgo, hein. d'accord Je ne rappelle pas son parti, etc. Ça, ça a bien changé. Euh, il y a un moyen très simple, pas violent, de dire ce que l'on pense. C'est de voter. C'est-à-dire, en gros, messieurs-dames du Convoi des Libertés, fermez vos pour gueules. Moi. Votez. Hein mais pas tout de suite, votez au moment, d'accord Et là, vous pourrez vous exprimer. Tous les six ans, vous avez le droit de parler. C'est grâce à un bulletin. C'est-à-dire, dans quel niveau d'écoute on est face à des gens comme ça On parle d'EHPAD pendant une heure avec dire la maltraitance institutionnalisée. On a nos politiques qui, face à des gens qui sont en colère et qui n'en peuvent plus, leur seule réponse, c'est de dire, non, non, mais eux, oh, le vote. Hein et grâce au vote, tu seras beaucoup mieux dans ta peau. Non, mais il y a un vrai enfin y a, y a un vrai sujet ça sur l'abstention croissante, etc. Ça, je pense que pour les politiciens, ça pose un réel. En ce moment, ils, ils sont tous à il faut voter, il faut lutter contre l'abstention, etc. Sans se poser vraiment la question de pourquoi les gens s'abstiennent. Qu'est-ce que veut dire cette abstention en fait Qu'est-ce que en fait il, personne ne se. Tout le monde dit oh, c'est grave, record, mais en fait, personnellement, je suis presque sûre qu'il y aura encore un niveau record d'abstention oui. cette année. Et en fait, euh, on se dit pas à un moment donné, ce serait peut-être bien qu'on fasse un vrai sondage, un vrai truc national pour questionner les gens et leur demander pourquoi. Ah oui, t'as même mis la petite photo et tout. Hey. Pour euh, qu'on fasse un vrai <laughs> sondage, un vrai truc pour demander aux gens, mais pourquoi vous vous abstenez Pourquoi au départemental, il n'y a personne Pourquoi au régional il n'y a personne Pourquoi au national Il y a un petit peu plus de monde, mais toujours pas grand monde. Mais par contre, les cantonales, pourquoi il y a beaucoup de... il y a beaucoup plus de, de votes Bon, en fait, il euh, faudrait peut-être se questionner là. A priori, Cyril te veut présidente Ah, mais allô psychomote, fort présidente. Une... Attends, une psychomotricienne présidente, là, on, est... on a accès à la magie, là. Là, là, oh, là, bah, là. une négociation <laughs> avec Poutine. Hein, J'ai envie de te dire euh, attention, je sors les balles à picot. Euh, attention, on va parler proprioception et tout ça, hein, Vladimir. Hein. Tranquille. Euh, moi, ce qui me choque, je suis d'accord, Marina, je suis d'accord sur le fait que oui. Oui, le vote est une arme qui a été donnée aux citoyens qui n'est pas assez utilisée. Je suis d'accord. Il euh, y a une autre arme qui n'est pas assez utilisée c'est la question de qu'est-ce qu'on achète. Hein euh, je suis d'accord. Par contre, moi, ce qui me sidère, c'est que des gens qui sont en colère, etc., on est en France, d'accord, on est un pays de démocratie, c'est-à-dire, on a le droit dans ce pays de dire, Macron, tu m'emmerdes, sans avoir le lendemain, perdre mon emploi, etc. D'accord On est dans un pays où on a le droit de s'exprimer et que face à de la colère, face à des gens qui sont démunis, je pense qu'ils ont autre chose à foutre, les mecs. Je ne parle pas des quelques abrutis qui euh, sont là uniquement pour casser du flic ou pour casser des vitrines. Je parle des gens, là, le, 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 90% de ces gens-là, ils ont autre chose à foutre. Mais c'est juste qu'ils sont tellement démunis. Et que, bah, du coup, mais la seule réponse qu'on envoie, c'est ce genre de discours. Et c'est surtout, on les traite d'abrutis et on envoie des chars. Oh On envoie des chars, les réceptionnés, qu'on voit de la liberté, la réponse de, 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 sociétale, c'est des chars. En fait, c'est là. C est, c est le niveau de mépris de, 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 de l'ensemble des politiques. Hein, je suis même pas sur telle ou telle politique, là c'est Anne Hidalgo mais. Euh, de l'ensemble des politiques sur le, la, la colère qui est l'attente de certaines personnes qu'on soit d'accord ou pas d'accord on parle, attention on est sur une chaîne d'action sociale, c'est à dire que le premier principe qu'on a nous pour acheter la paix sociale et je dis bien acheter la paix sociale dans les institutions, c'est l'écoute c'est d'écouter c'est de prendre en compte, c'est de réceptionner la colère, et que tout ce que ne font pas ces gens là, et ça m'énerve ça m'énerve, voilà Simplement. Euh, voilà, c'est le, le, le petit coup de gueule. C'est pas le petit coup de gueule, mais c'était le, le petit laïus euh, là-dessus. Euh, vivement le convoi de la liberté des vieux euh, d'EHPAD en fauteuil, ça risque de prendre un peu plus de temps. Ouais, mais je trouve que le jour où les vieux en EHPAD et les familles font un convoi de la liberté, et eh bien là, effectivement, il y aura, je pense, des choses qui seront concrètes. Si on est là-dessus, je pense que le jour où tous les gens qui sont institutionnalisés euh, se montrent, et manifeste, là, il y aura des choses qui, qui, qui seront qui seront mis en place, je pense, très clairement. Euh, deuxième question, mesdames. Euh, ah oui, euh, petite petite préparation. Où est mon portable Oui, parce que je ne peux pas vous le montrer, parce que c'était trop compliqué de façon technique. Mais il s'agit d'un audio. No de quelque chose qui s'est passé euh, cette semaine euh, je vous en prie. Tard, vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à trois mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Ah, ouais, ouais, ouais j'ai suivi ça. la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violence sexuelle notamment euh, en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFN. Vous ne dites pas non plus, et, et ça ne s'attache pas, terrible. Le bah, parce que vous ne dites pas... Mais non je ne vois pas là-bas... La liste en l'occurrence, en l'occurrence des aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, Allez-y, essayez de démontrer... l'inverse, ce sont euh, vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Elle m'a toujours halluciné quand je l'entends là. Je vous demande pardon. Ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la journée. <laughs> fin, pardon, fin de l'extrait audio. Euh, bon, d'où ça provient cet extrait audio Effectivement, dans le chat, il y a déjà des gens qui ont deviné. Un interview ah. sur BFM TV. <laughs> sur BFM TV Ouais, c'est ça. Hein, BFM ouais, c'était BFM. C'était BFN. Effectivement, euh, une interview entre Gérald Darmanin, euh, ministre de l'Intérieur, euh, et Apolline Malherbe, donc sur MRMC et en direct sur, 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 BF... sur MC du coup. Euh... <laughs> Moi, j'aimerais bien qu'on réagisse un petit peu à, 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 à ça. Hein, euh... C'est-à-dire que techniquement, techn... voilà, voilà, effectivement, ça va, ça va bien se passer, ça va bien se passer, mesdames. Euh, je pense que ça va devenir mon, 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 nouveau, mon nouveau phrasé à tous mes invités. Je pense, ça va bien se passer. Perso, je préfère skipper, ne la, la... <laughs> pas répondre à ça, parce que c'est triste en fait. Quand j'ai écouté ça, du coup, en, en direct, hein. hum? j'ai vu ça en direct, j'étais là, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là enfin, enfin voilà, ouais, j'ai trouvé ça euh, honteux déplacé. Euh, maintenant je, au niveau de la communication non verbale, j'ai trouvé qu'elle elle, elle en renvoyait quand même quelque chose de, de très agressif aussi ouais. dans l'intonation dans l'enchaînement. On sentait qu'elle en fait elle partait direct avec l'intention de, de combat en fait. Ouais. Et je pense que du coup si on analyse un peu au niveau comportemental euh, bah lui il réagit sur la défensive mais juste euh, il perd complètement le contrôle euh, de ses paroles et de ses gestes et du coup bah il, il, ça on devient euh, bah ouais, ça, ça laisse tout le monde perplexe parce que euh, ce n'est pas un comportement adapté pas pour un ministre de l'intérieur ouais. elle elle fait son job de journaliste et même si elle a eu un comportement qui a lancé l'agression parce que typiquement oui c'était normal qu'ils se sentent agressés dans l'intonation de la voix dans la façon dont elle a enchaîné les mots elle avait une volonté quand même de lui, mettre plein dans le, de lui en mettre plein la tête, mais lui il aurait dû contrôler et, et se contrôler. Oh, alors ça, ça c'est quand même de la professionnelle qui analyse et qui fait un petit pas de côté. Parce que effectivement, il y a eu plein de débats là-dessus, j'ai jamais entendu ce genre de discours-là. Euh, parce qu'il y avait un débat sur la question de la misogynie, c'est-à-dire que beaucoup mettaient en avant sur le fait que c'était misogyne et que c'était uniquement ouais, la bah démonstration clairement. de la domination masculine envers de la femme, et de si je traduis ce que tu viens de dire, ça serait plutôt la réaction d'un petit garçon qui, face à la maman en colère, euh, dit ça, ça va bien se passer, maman, maman ça, va, ça va bien se passer, je vais, vais t'expliquer pourquoi j'ai fait la connerie, maman pas tapé, ça va bien se passer. Euh, et du coup, ça permet, je trouve, de retrouver un petit peu d'empathie envers Gérald, de la même manière qu'on en, moi, j'en retrouve envers Adrien. D'accord Arrêter de d'agresser nos ministres. Quand même, il, il n'est que ministre de l'intérieur. Non, non, mais que, après, il euh, euh... y a les deux. Hein, pour moi, il y a les deux. Hein. C'est-à-dire Il dire y, a, que... y, a, y a quand même un, un fond de positionnement où. Non, mais il euh... y a les deux. C'est-à-dire qu'il réagit à l'impulsivité parce que, bah. Il est agressé, il ne sait pas comment réagir. Du coup, euh, bah, il est là et il a son mécanisme de défense. Mmh. Et d'un autre côté, euh, bah, son mécanisme de défense, il est complètement misogyne et complètement en train d'essayer de reprendre une posture de supériorité. Mmh. Face, à, face à la mère, si tu veux, il essaie de reprendre une posture paternaliste, patriarcale. Ça va bien se passer, <laughs> <D 'accord. rire> Donc, pour moi, il y a clairement des deux. Je suis comme la conscience sociale, il y a les deux. Euh, ah oui l'idée c'est pas de, de, de je... mais effectivement je trouvais ça quand même cet extrait assez à moi il me fait rire alors je devrais pas enfin je, je devrais peut-être m'en offusquer etc euh, je laisse les débats sur la misogynie etc bah du coup au genre féminin parce que euh, du coup j'ai appris d'une à terre quand ça concernait ça parce que en tant qu'homme j'ai pas le droit de parler euh, et de deux. C'est tellement, euh, tellement mis en scène ce genre de moment et que moi je n'arrive toujours pas à comprendre comment des gens qui ont moult communicants autour d'eux arrivent encore une fois à, à être comme ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours un dessin derrière, euh, je ne sais pas lequel. Euh, peut-être que c'est la domination masculine, peut-être que c'est effectivement le buzz comme ça a été dit, euh, peut-être que c'est la supériorité et le sexisme, j'en sais rien, je sais juste que je, en termes de communication... Je suis toujours encore étonné de la connerie de, 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 de des ministres en place et du côté puant que peuvent avoir ces ministres. Euh, et que j'aimerais bien un jour avoir quelqu'un de pédagogue euh, plutôt que quelqu'un qui, face à, euh, à, à ce côté rentre-dedans, effectivement, je lance ce genre de, 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 de phrase parce que oh, je me dis merde quoi, il est ministre de l'Intérieur, il représente quelque chose ce monsieur. Et ce monsieur se permet d'avoir ça. Alors après, euh, ça, ça nourrit les réseaux et autres, mais je trouve, je trouve, ça, je trouve, ça, je trouve ça extraordinaire. Euh, alors, une, une analyse très, très fine, effectivement. Peut-être juste qu'il est con, peut-être. Je, je, mais effectivement, effectivement peut-être que... Juste simplement, il faut arrêter de se poser la question et qu'il bah, il, il réfléchit pas. Et peut-être que, effectivement, face à ce que j'ai dit, j'ai trop encore d'estime par rapport aux politiques et que c'est juste des gens... Pff, voilà, qui ne qui, qui, qui se rendent même pas compte des choses et, 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 et puis basta. Après, comme euh... dit Marina, là, est... on n'est plus de face au ministre, en fait. Bien sûr. On est face à la personne humaine qui, certes, n'a bon, ben, quand même pas une réaction vis-à-vis euh, -vis de là où il se trouve et euh, du poste qu'il qu a, euh, n'est pas adapté. Euh, et même si on parle de humain à humain, en fait a quand même des propos euh, et euh, une fa... enfin alors moi je les ai pas vus bouger euh, et, euh, et s'exprimer euh, euh, dans, dans le non verbal mais euh, on entend sur les intonations on entend sur euh, sur les mots employés euh... bon il y a une personne en effet qui enfin euh, moi du ton que j'ai entendu et des mots utilisés de de, euh, de la journaliste euh... en effet on est dans, dans quelque chose d'assez euh, d'assez percutant d'assez agressif ouais, on sent sais. que euh, L'attaque, elle, euh, elle est quand même pas mal dirigée. Euh... Après, en effet, euh, ça fait ressortir quelque chose, je trouve, quand même de triste, de l'humain, même si c'est le ministre euh, qui, euh, qui est en face, malgré tout. Euh, et encore pire, bah, parce que c'est enfin, un ministre et que, euh, euh, comme tu dis, euh, bah, le communicant, euh, bizarrement, n'est plus là, d'un <laughs> coup. Ben, c'est moi ce mais, qui m'étonne, mais... ce hein, c'est que le, le politique aujourd'hui ne fait plus de politique. C'est ça. Les réactions, je veux dire qu'on attend quelqu'un qui est euh, au contraire un personnage public et qui sait les enjeux et autres. Euh, et on a des gens, voilà, qui qui, qui l'homme derrière. Et en fait, mec, on sent pas les couilles. T'es Gérard Damana, tu, tu tu interviens en tant que ministre de l'intérieur. Euh, et j'attends une ah. posture de ministre de l'intérieur. Et que euh, si quelqu'un t'es acculé face à quelqu'un qui t'agresse, mec. Oh, t'es es, es, es quand même censé représenter une institution qui, qui représente l'ordre, donc. Euh... Bah, c'est questionnant. Là-dessus, en effet, c'est très questionnant. Euh, D'autant plus que, il me semble. Alors moi, alors au niveau politique, je, je suis pas, euh, je suis pas très renseignée euh, là-dessus. Euh, de, bah, de, fait, en plus que, voilà, je ne regarde pas la télé. <laughs> euh, mais j'entends en, et je, Corrigez-moi, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'on a des positions de ministre dans, ah dans ce style, dans ce style C'est euh... pas la première fois, ça arrive souvent et notamment avec ce gouvernement-là. Voilà, le nouveau style. Les... Hein. Euh, c'est de plus en plus euh, régulier, j'ai l'impression. On entend de, de plus en plus parler de, de ce genre de, de, de problématiques, de, de sujets. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est lié à l'âge, le fait qu'on a un gouvernement qui est plus jeune. Mmh. Est-ce qu'on a vraiment un gouvernement plus jeune? Ouais. ouais, ouais, quand même, clairement, ouais, ça, si. c'est ouais, clair. Ouais, bah. ouais, okay, okay. Au niveau des secrétaires d'État, bah, rien que le président, ouais. oui, et bah, tous les oui, ministres, les gens, de... pris, les gens qu'il a pris, les gens qu'il a pris. moi, j'ai l'impression que quand même l'ensemble du gouvernement est plus jeune, en termes de moyenne d'âge. Okay, okay. Mais est-ce que, que ça peut jouer? Euh... Bah, ce qui, ce qui joue jouer, aussi, c'est la, que... la question de la jeunesse qui, qui va jouer. C'est la question, enfin, de la jeunesse, en, en fait, du manque d'expérience qui va jouer aussi. Et je rejoins le chat, c'est qu'on est sur de plus en plus une politique de l'immédiateté. On est sur une politique de buzz. Donc on est sur des fois des choix euh, de certains mots où ils savent que ça va faire buzzer et que ça va faire plaisir à une certaine forme d'électorat. Euh, et que du coup, on en perd un petit peu bah, la, la, la politique, et on devient là plutôt sur de la politique politicarde, hein, c'est-à-dire que je vais utiliser ce genre de phrase là parce que pour un certain électorat, bah oui, oui, c'est important de, 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 de la dominer. Hein, cette euh, comment s'appelle cette Apolline, euh, que je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds par une petite journaliste. Euh, donc je vais me remettre. Et ça, bah, effectivement, on oublie le débat, on oublie effectivement le fond du problème, on est juste sur la forme. Et, 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 et je pense, on ne va pas y répondre là effectivement, que faire un petit SCS spécial euh, relations humaines et réseaux sociaux, les impacts, ça serait hyper intéressant. Il y a plein de choses qu'on, qu 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 je, qu je pense, changer, notamment quand je pense à Twitter, qui est un, un réseau social poubelle. Euh, va... euh, oui. Excuse-moi, c'était juste pour réagir à ce que euh, l'éduc spécialisé dit. Mmh. En effet, on, on est à. Avoir des ministres euh, qui sont invités chez euh, chez Anouna. Euh... Je, je comprends plus. Moi je, je comprends plus que effectivement on voit plein de ministres plein chez Hanouna, C'est-à-dire le mec fait du divertissement. Que Exactement. Base... Il, y a, il, y a, il y a un problème de de enfin on n'est pas sur, sur le même euh, enfin on a du divertissement et de la politique et on est en train de croiser les choses. Enfin on n'est pas sur une télé-réalité il me semble. Ben, a priori, c'est. Euh, voilà, aussi. mais du coup, il y a un problème. Parce que, enfin, on part de, des débuts de Hanouna, on était quand même sur de la dérision de, de, de vidéos, de, de choses qui sont montrées pour divertir et d'être dans du. Du jugement et du euh, de, de la critique de, de choses qui sont sur les réseaux sociaux et on en arrive aujourd'hui à avoir des ministres sur un plateau euh, qui étaient à la base destinés à à faire euh, à faire de la critique euh, alors critique dans dans le grand sens du terme hein, euh, à faire de la critique du dé, du divertissement euh, euh, en, en reprenant des images de télé-réalité euh, de, de secret story des choses comme ça euh, ou les marseillais euh, et et on enfin, le, le parallèle est juste fou bah, c'est plus, le, le ce plus ça le truc c'est qu'en enfin, ce moment c'est plus ça TPMP après un autre, euh, un autre virage et actuellement euh, se met à parler de sujets de société euh, là l'autre fois ils ont fait venir un directeur d'Orpea bah, justement euh, pour revenir au sujet mais ils ont fait venir un directeur d'Orpea face à la personne face à -soignante qui a signalé les et qui a enclenché euh, le film et euh, en fait ils parlent de plus en plus de sujets de société avant même... Euh, et du coup, en fait, ils attirent une population nouvelle et j'ai l'impression, je pense qu'en termes d'audience, ils font plus d'audience simplement maintenant à 20 heures euh, sur, euh, sur TF1. C'est certain. Ah, oui, sûr. certain. Après, moi, et c est, c est moi, je sais que mes mieux. parents... Euh, ils... ouais mais, mais, ça. mais tu vois, des, des gens... Enfin, euh, la génération de mes parents ou même mes grands-parents n'auraient jamais regardé TPMP avant. Mmh, ah, mais je... Et là, maintenant, il, ah, non, mais lui, des il fois, ils préfèrent regarder... De, des fois, ils préfèrent regarder TPMP que regarder euh, le 20h sur TF1. Je suis... En fait, suis... enfin, c'est lié à l'audience, c'est lié oui. effectivement d'aller chercher le public là mm. il Il n'y a, y a pas de souci là-dessus, mais TPMP, quoi, putain. C'est-à-dire que le niveau de débat, il est pourri. C'est-à-dire les intervenants, ils ne savent rien de la life. Encore une fois, moi, ça me rend ouf euh, toute cette histoire de. Il y a des mecs, il y a des intervenants, ils connaissent quoi de la vie de tous les jours ils connaissent quoi C'est des putains de people de merde. Ils connaissent rien et ils se permettent de parler des gens, encore une fois. Et ce qui me rend plus ouf, c'est que c'est des gens qui les regardent. Encore une fois. Hein, C'est-à-dire que il euh, y a plein de produits Kali qui, 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 qui ne sont pas regardés. Et là, c'est de la merde en boîte et les gens en redemandent parce que c'est génial, etc. Alors qu'on est sur des gens qui arrivent là-bas pour se faire clasher ou pour clasher l'autre. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'échange. Et ça, je trouve ça hyper dommage parce que bah, du coup on ne fait plus société. Et qu'on est juste sur des trucs en mode, bah qui sait qui aura la le meilleur clash possible, etc. Et derrière, tu ressors de là de l'émission, tu fais, j'ai rien appris, je n'ai pas été ni convaincu ni rien, je suis resté sur mes positions. Et qu'est-ce que j'apprends du monde Rien, parce que, bah en fait, j'ai que des avis, euh, 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 comment dire, qui sont, qui, qui sont superflus. Et ça, ça, ça veut vraiment... Ça m'emmerde. Euh, et je suis, suis d'accord sur le fait que oui, il faut aller chercher des trucs. Ça, diverti. les ouais, ça divertit. Ouais, ça divertit. Après. Mais c'est de la politique, c'est pas censé divertir. Voilà, ah oui, mais je suis d'accord avec le côté. de la politique, politique C'est pas, pas censé non, divertir, c'est pas drôle. Oui, mais du est coup, c'est mm -hmm. ça, ça qui est le pire. C'est que d'un côté, bah, les gens, en allant dans cette émission, des gens, des ministres, des avocats, enfin, des... en allant dans cette émission, ont rend, on rendu légitime de regarder cette émission. Hmm bah pour oui, autre est chose que, que, parce est pour se divertir et en même temps parler euh, des faits sociaux et donc euh, bah il y a tout il ouais, a toute une... qu'on qu on aime ou même pas et d'un côté bah ouais mais c'est vrai que ouais c'est après il y a eu autre chose enfin je sais pas du coup s'ils ont été invités pour euh, le truc euh, face à face à Baba ou je sais pas quoi parce que ça j'ai vu un extrait aussi entre Mélenchon et et euh, et, un flic et le policier là de la, de la brigade bon. Mais c'était une catastrophe. Ça, ça j'ai vu juste un extrait et, euh, et donc je sais pas là si euh, du coup ils sont invités pour euh, être dans TPMP ou si c'est invité pour être en face à face dans. Je, alors je, j'attends le, mais... le chat qui répond là-dessus parce que oui. j'ai juste vu l'interview. Je, je sais pas le contexte ni rien si c'est un extrait ou autre. Face à face fonctionne de fou et je sais. En fait, je... encore une fois, le principe. Je... Encore une fois, je le trouve. Cool. C'est enfin cool. bien que, les jeux, que le, 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 ce genre de personne aille là où les gens regardent. C'est toujours le côté, on n'est plus dans de l'échange, on est sur, sur qui va créer le buzz, etc. Et, et, et c'est ça qui, qui, qui m'emmerde. On n'est pas dans de l'échange, de la discussion. On est dans le je vais détruire l'autre ou pas. J'ai l'impression de regarder des mauvais battles de rap. Euh, et ça me, ça me questionne. Euh, on va passer à la dernière question de, 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 de ce quiz. On va passer sur quelque chose d'un peu plus léger. Euh, d'un peu plus léger. Alors, la news du jour à Loueuse, en Picardie, on ne plaisante pas avec la sécurité. Gérald, c'est pour toi. Euh, ils ont installé un dispositif particulier. Lequel Attends, recommence ah, Oui, parce que. Ouais. À Louose, petite euh, petit village de. Loueuse, tu es où d'accord En Picardie, non. En Picardie, en, en, du coup. En 60. On ne plaisante pas donc avec la Absolute. sécurité, puisqu'ils ont installé un dispositif particulier. Lequel Alors, j'ai pas entendu parler. Hum euh, moi, pas du tout non plus. Qu'est-ce que euh, ça peut être ah, oh, bah, attends. C'est de la sécurité, euh, petit clin d'œil à, à, à Gérald bien se passer dans cette ville, vous inquiétez pas. Ils ont mis du temps et du coup, ils ont commencé le pass vaccinal <laughs> Non. Rien <laughs> à voir avec... Les oies. <laughs> ah Mais il y a des... Ah, ça, ça, ça s'appelle Google ou... Euh, en vrai. Ce n'est pas des oies, effectivement, c'est des canards. Ça concerne des canards. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport aux canards euh... Qu'est-ce qu'ils ont fait Des canards canard. Des canards mais... Oh Ah bah je lis le chat, désolé. mais, <laughs> mais si, mais bien. du coup j'ai vu un, oui, oui. un petit lièvre avec des petits cantons. Mais moi aussi je l'ai vu, mais je savais pas que... <laughs> Mais quel rapport Ah oui, pour la sécurité, pour la sécurité des canards. Des... Ah, du oui. Effectivement, ils ont du coup installé. Alors c'est pas récent, hein, c'est juste j'ai la news et je trouvais ça un peu, un peu, un peu marrant. Euh, effectivement, de, 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 de mettre cette petite anecdote, okay. une petite touche de fraîcheur, parce que la France c'est ça aussi, c'est ça aussi, d'accord, c'est aussi prendre soin. De nos canards. On parle pas de nos potes, mais on parle de ces vrais petits canetons. Euh, donc, effectivement, Loueuse a euh, installé un passage piéton pour canards entre une mare et une ferme, avec effectivement, bah, du coup, euh, priorité à ces canetons. Euh, ce n'est pas la première ville à avoir fait cette démarche. Il y a euh, une autre ville euh, qui, euh, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que j'ai est le nom Et du pas coup, du ils coup. ont vraiment mis un panneau, attention, canard Oui. D'accord. Oui, oui. Euh, il <laughs> y, y a une autre ville qui s'appelle ville dans l'Oise qui a fait exactement le même dispositif. Bah, bah du coup, il va y en avoir plusieurs. Hein ah, bah, je, je, ouais. moi, je, moi, je suis pour. Moi, je pense, le candidat qui propose la généralisation de ce type de panneau pour préserver les espèces animales, euh, je vote pour lui. C'est un vrai problème de société et euh, effectivement, je, 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 je vote pour lui et vive le parti animaliste. Euh, Décable euh, 60 bible 60 ouais effectivement ça va, ça va bien se passer et les hérissons et traversent sous oui mais alors là oui je suis d'accord avec toi. Ah. les ducs spécialisés c'est cette question là pourquoi les canards sont-ils privilégiés par rapport aux hérissons ou aux grenouilles hein on, on parle du nombre de morts sur la route des hérissons à quand le lobby des hérissons pour effectivement se euh, contester cette décision et d'avoir leur propre panneau je pense euh, nojo, que peut-être certaines associations vont se mobiliser par rapport à ça Oui, il faudrait trouver une solution aussi alors parce que vraiment je dis big up le 60 parce que euh, moi je viens du 60 et vraiment j'adore le 60 euh, je suis fan euh... je fais 28 ans dans le 60 donc oui euh, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi c'est les lapins mmh. parce que ah, euh, oui. les petits lapins là la nuit là quand on passe dans les petites routes du Vexin mmh. et eh bien il euh, y a un vrai sujet là parce que ils voient les lumières et ben ils font sur les lumières après tu dors pas bien parce qu que tu te protéger... dis est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant le petit lapin Est-ce qu'on doit protéger un animal qui n'a pas de, 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 de conscience de sa sécurité hein C'est-à-dire que tous ces putains d'animaux là, je suis d'accord que oui il faut faire attention mais quand tu les vois ils sont au bord de la route tu dis vas-y je ralentis je ralentis parce qu'il va passer et que au dernier moment, paf il arrive et il passe Vraiment est-ce qu'à un moment donné, bah, pas de chance, mec C'est-à-dire que t'as des, des, des de mauvais choix, juste euh, fin de l'histoire. Euh, Je suis d'accord, c'est désagréable. Je suis d'accord, il hein. y, y a quelque chose qui... Euh, quand ça t'arrive, tu fais... Euh, Je suis pas, pas, pas au top de ma forme. Euh, mais après, merde, quoi, il y a les phares. Euh... Peut-être, oui, si, créer une école spéciale animale pour, euh, pour les, les prévenir des dangers de la route. Peut-être. Donc en tant que présidente, ce sera ça ton programme oui, <laughs> Tu me donnes combien de temps pour monter un programme Bah écoute, euh, <laughs> le temps d'avoir le les, les... En même temps le programme, c'est pas important. Hein. On a plein de politiques, c'est juste leur nom. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Euh, Aujourd'hui, on, on vote pour des noms. On vote pas pour, pour un programme. Non, c'est désuet. On vote pour des gens sympathiques. Euh, Ou en tout cas des gens qui lequel on, on a envie de voter sans, sans avoir le papier derrière en disant de toute façon le papier c'est de la merde, euh, ils le suivent pas donc euh, autant voter pour des gens euh, c'est dit ça avec beaucoup de second degré bien sûr euh, on passe à la dernière partie, dernière toute dernière partie de l'émission la team mamie est déjà au lit, je le sais elle a déjà pris sa tisane etc et on va faire un petit hommage à cette team mamie, je vous ai envoyé une photo que je vais remettre ici. Euh, la, fameuse... la fameuse photo. Et vous allez devoir deviner. Je vais faire un coup de gueule sur cette photo. D'accord Ce qui permettra de terminer l'émission. Euh, et vous allez devoir deviner sur quoi porte ce coup de gueule. Alors là, on a la photo zoomée. Je ne sais pas si c'est vous. Bah, c'est mon seul moyen de rentrer cette photo. C'est juste, c'est pas une question de voulu. Les boucles d'oreilles. Euh, c'est <laughs> juste la, la technique. Les boucles d'oreilles, non. Alors, elle s'appelle Carolina euh, Ida Ours. C'est une mannequin de 61 ans qui, effectivement, a. a les escaliers en bois, c'est non. Sur euh, quoi porterait la nudité? mon Ça un rapport avec la nudité. Okay. C'est le ban de monsieur J, ah peut-être. Non, non non non, bah non. il n'y a rien, il peut pas ban là-dessus, il y a rien, il y a pas de téton rien. Oh, ouais. rien. rien du tout. La chirurgie esthétique, euh, ça peut être un lien. Ils ont photoshopé son visage Ou photoshopé euh... son euh, son torse ou d'autres parties du corps Ah, j'avoue, je me suis pas posé la question avaient Vous pensez que c'est faux photoshopé alors, alors, toi, elle est très maquillée. Je oui. pense qu'elle est très maquillée, ça c'est sûr. Ouais. La sexualité du euh... plus vieux. Non, Marina, ça concerne ma propre sexualité. Mode euh... douce. Euh... <laughs> en mode de quoi <laughs> Les UV. Non, quoi Les UV. Euh, vrai elle voilà a le droit de faire des UV. Euh... Elle est particulièrement euh, bien, bien, bronzée ou bien fond de teint, je ne sais pas, à, à voir. Euh... C'est un rapport aussi, non, c'est un rapport effectivement à ce que vous avez dit sur la question de la vieillesse, du rapport à soi, de ce que ça pouvait, de ce que ça pouvait générer, tout ça. Le corps féminin euh, vieux, nu, du coup. Le corps féminin. Ah, nu. Moi j'ai trouvé ça absent justement. Enfin, au début ça m'a étonnée, ouais. et puis après je me suis dit, mais en fait, euh, bah, justement, il devrait y en avoir plus pour pas que ça m'étonne. <laughs> oui, ça va. Ça concerne ma propre sexualité Ah oui, je, je comprends que ça, ça puisse faire bugger. Euh, non, non, je, je n'ai jamais encore eu de rapport sexuel avec quelqu'un de son âge. Je, 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 je suis en recherche. Plus jamais. Euh, j'ai dit encore. Oui, pas encore. Il y a, il y a des <laughs> <d> papiers qui cherchent. <laughs> ouais, il y a plein d'épats si tu veux. On a des contacts. La marque de modèle, grand âge. Alors, ça a un rapport, effectivement, à la question de la féminité. Ça a un rapport à la question de, de, de tout ce développement de marques, ce qu'ils appellent des mannequins inclusifs. Hein. Je vais dégommer ce terme parce qu'il me casse les bonbons. Tout est inclusif aujourd'hui. Euh, ça va bien se passer, madame. Oui, ça va, ça, ça va bien se passer. Ça a un rapport avec tout ça, le manque. <laughs> terrible, terrible. Euh, en vrai, alors... Le coup de gueule, il porte sur un petit peu tout ça. Quand j'ai vu la première fois cette photo, j'étais en train de conduire, etc. Et j'ai vu cette, cette dame sur, sur, sur un panneau publicitaire. Et pendant que je conduisais, j'ai eu cette putain de révélation. Donc je me suis dit, mais pourquoi Moi, pendant des années, mesdames, j'ai été nourri à ces photos de femmes qu'on trouve euh, sur les panneaux, en pharmacie, on parle même pas des, des, des magazines spécialisés, hein. je vais en pharmacie, j'ai une pub Neutrogena, hein, avec une femme sans cellulite, sans un pet de graisse, qui n'a pas perdu le combat contre la gravité, d'accord Donc moi pendant des années, l'image de la femme c'était quoi C'était ça Et pendant des années j'ai fait quoi J'ai cherché ça Et je n'ai pas trouvé J'ai pas trouvé ce type de femme, j'ai essayé hein j'ai été un connard de service pendant plus de 5 ans, plus même. D'accord Et j'ai essayé, j'ai essayé. Alors que si j'avais eu ce genre de pub-là, depuis tout petit, si on m'avait habitué à voir des vrais corps humains, des vrais, c'est-à-dire des corps de femmes qui, bah ah, oui, je en fait, shop. à un moment donné, sans Photoshop, qui ont perdu le combat contre la gravité, qui est normal, parce que de toute façon, oui, mesdames, oui, messieurs, on va tous perdre le combat contre la gravité. Hein D'accord Ou alors on va investir des masses et des masses sur du plastique qui va nous maintenir. D'accord Et si pendant toute mon adolescence plein de sève, j'avais été plutôt éduqué à voir et habitué à voir ce genre de modèle, vraiment, et eh bien peut-être, je dis bien peut-être que je n'aurais pas gâché X SMS, X tunes à aller au restaurant, à payer des cinémas, etc., pour pouvoir trouver l'équivalent de ce que je trouvais dans les magazines que je n'ai jamais trouvé. Donc oui, effectivement, c'est un coup de gueule parce que... Putain, il était temps il était temps, enfin! Enfin, on a une vraie femme! Et encore, hein! Encore, hein, ils ont trouvé. Oui, C'est ce euh, que j'allais dire! Euh, Ida, elle est bien! Hein. Elle ouais, est elle meilleur, est pas hein. trop ridée! Elle est pas trop encore, ridée pour ce âge. Je... Parce que voilà, vous plaignez de plein de choses! Après, madame, je, je sais maillage, pas trop quel âge, mais peut-être elle a 70, 75! Elle a ans. ans! Hein? Elle a 61? Elle a 61 ans! Et oui, déjà déjà, déjà bien abîmée par la vie! Mais en fait, il était temps d'avoir cette putain de cul! <laughs> Laura! Parce que oui, moi, moi, j'ai pas été. En tout fait, cas, j'étais à la recherche, mais et je pense que notamment dans la question de la question identitaire, etc. Oui, en fait, on se compare en permanence avec ces ces gens-là qui s'exposent, qui n'existent pas dans la vraie vie, parce que c'est une question de posture, c'est une question de maquillage, c'est une question d'effet de lumière. C'est-à-dire que même là, le stream, là, bah oui, oui, c'est travaillé, il y a une lumière spécifique, etc., qui fait qu'on voit moins mes rides et tout ça. Euh, effectivement, je montre mon début de calve, mais là, on ne dirait pas, parce que tout ça, c'est travaillé, tout ça, c'est travaillé. Et que pour moi, il était temps, enfin, de montrer des gens à peu près normaux. Parce que oui, tout ça, ça contribue au rapport aux êtres humains, ça contribue à l'estime de soi, ça contribue à notre rapport à notre propre corps. Et que oui, il y a plus de personnes comme Ida à son âge que de nanas qui, tout d'un coup, à cet âge-là, ont l'air d'avoir des nanas. Je sais pas, Courtenay Cox. À a, je sais pas quel âge, on dirait qu'elle a 30 ans. Oh mmh. À quelle heure C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, jamais de la vie, jamais de la vie, on trouve ce type de personne. Et surtout, à quel prix à quel prix et à quel prix on a détruit l'image, euh, en tout cas à atteindre de millions de gens, en disant le but ultime de la beauté, c'est d'être ce type-là de meuf, qui n'existe pas parce que photoshopé, qui n'existe pas parce que fond de teint, qui n'existe pas parce que la posture qui va bien, qui fait que j'ai pas un poil de graisse et que du coup je me repose, pam, on a les petits plis du bidou qui existe, qui est là. Donc oui, petit coup de gueule à ce niveau-là, parce que je considère que ça a mis le temps et que bah, ça aurait dû faire depuis bien, 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 bien longtemps et j'aurais pu économiser énormément d'argent et de temps euh, dans ma quête de l'être ultime. Voilà. Euh... C'est d'autant plus un, un excuse-moi, oui. c'est d'autant plus un sujet de d'aujourd'hui avec euh, Instagram notamment. Mmh. Euh... Avec cette vision qu'ont les jeunes, euh, comme dit Cyril, le nombre de jeunes qui me demandaient euh, pourquoi j'étais pas musclé, mode tablette, etc. Euh, <laughs> C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec euh, les réseaux sociaux où il euh, bah, y a les, euh, les influenceurs, voilà, je cherche le mot. Les influenceurs qui se, qui se mettent en avant avec, oui. euh, en effet. Euh, un pet de graisse pour les nanas, des fesses bien rebondies, euh, une poitrine euh, dans les bonnes euh, insurations, et pour les mecs, euh, des tablettes de chocolat apparentes, euh, dans un cadre idyllique euh, le plus souvent, et, mm -hmm. et donc ça est montré comme la réussite euh, aujourd'hui euh, dans la vie. Euh, et, et vend du rêve à, à des jeunes qui ne savent pas trier l'information parce qu'il y en a trop, et que mm -hmm. c'est pas filtré, et que c'est pas appris non plus. C'est pas expliqué euh, c'est pas expliqué. C'est pas expliqué, l'image n'est pas expliquée, expliqué. la construction d'une image n'est pas expliquée, ça me rend fou que ce soit pas expliqué parce que tout le monde le sait. Tous les utilisateurs d'Insta le savent, tous les utilisateurs de la vidéo et de la photo le savent, ce n'est pas expliqué, c'est ça qui me rend dingue parce qu'on a plein de gens bah ouais qui qui, 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 qui savent pas, qui qui, qui, qui s'imaginent que le, le, les, les gens, c'est ça, qui s'imaginent que le hashtag no filter, bah il n'y a pas de filter. Putain à quelle heure je me réveille le matin Je suis magnifique, mais jamais de la vie. Ça arrive, arrête. Jamais de la vie quand on se réveille le matin, on a les cernes comme ça. Vas-y, me parle pas ou autre. Et qu'il y a peut-être en bout de cinq minutes, on est tout guilleré, Mais ça n'existe pas. Les gens qui se réveillent le matin, mon mec, il ment à chaque fois qu'il me dit que je suis belle le matin. Mais non, ton mec, sait voir la vraie beauté des choses. Tu gardes tes chaussettes en permanence, donc à un moment donné, il voit énormément de beauté. D'accord. Justement, ce la beauté, c'est pas le no filter. La beauté, c'est les petits défauts qu'on trouve chez les autres. C'est ça la vraie beauté. Et que oui, c'est ça qui me, qui me, qui me, qui, 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 je me dis, il était temps. Il était temps parce que bah ouais, en fait, techniquement, il n'y a pas d'apprentissage de ça. Et oui, avec tous les réseaux sociaux, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, euh, de, comment dire, de manque de confiance en soi. Alors que bah du coup, le but à atteindre, c'est mort. C'est mort. Ça coûte une blinde. Ou <laughs> alors ça, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. C'est quoi l'investissement On parlait des de La 3000 balles pour être accompagné euh, un petit peu dignement ou pas euh, Du coup combien là pour se refaire euh, en entier C'est-à-dire que moi mes implants pour ma calve, combien 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 ça coûte à peu près Je Deux sais pas, pas l'euro. Je... Ouais, mais je pense que c'est même pas un mille les 3000 balles. Douze ah bah, bon, hein, euh... mille si tu fais ça à Paris. Euh, en Turquie, t'en as un peu moins, t'en as peut-être pour... tu divises par deux. Ok, bah, objectif de ce stream, euh, le jour où j'aurai plus de 6000 subs, euh, je fais des implants. Non mais apparemment, il vaut mieux prendre une clinique quand même euh, de qualité qu'elle qu est en Turquie. Oh ça ouais. va, j'aurai les cheveux crépus et alors. En tout va bien et oui la chirurgie esthétique c'est une catastrophe ça coûte ultra cher et le pire ah oui. c'est que euh, c'est que bah en fait euh, parfois on a des besoins de enfin par exemple il y, y a des personnes qui ont des vrais soucis euh, de type d'éviation nasale ou des choses comme ça et donc qui doivent faire des actes pour, pour respirer en fait simplement et du coup en fait ils ne sont pas accompagnés parce qu'on considère que maintenant ça devient c'est de la chirurgie euh, esthétique alors qu'en soit, bah, non, en gros, si je suis obligée de refaire mon nez parce que les cloisons, elles vont pas à l'intérieur, mmh. même si ça me le rend un peu plus droit, parce que le chirurgien, il va bien faire son travail, bah, en fait, euh, c'est pas mon choix à la base de, de changer mon visage et de changer mon nez. Mais parfois, euh, c'est. Ouais. Et donc, il y a des situations comme ça aussi où c'est. Euh... Enfin, ça double tranchant les aspects chirurgistiques Un autre sujet, là, tu peux te noter, rajoute à la liste. Euh. Ah bah comment comment <laughs> comment les réseaux sociaux ont détruit. Euh... Bah pour pas détruire, cest à l'utilisation des réseaux sociaux. Encore une fois, c'est pas pas l'outil, c'est l'utilisation de l'outil. Euh, Faut-il faire des liens entre le thème de l'émission, les EHPAD et ce sujet final Bah le lien, on l'a trouvé bien avant le coup de gueule. C'est-à-dire que le lien, s'il y en a un, c'est la représentation. C'est-à-dire que euh, cette femme Carolina Ida Ours euh, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, j'en sais rien. Euh, cette manne du coup, de 61 ans permet, je trouve, toujours de, 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 de valoriser, de montrer bah, le vieux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on part encore une fois du principe, on revient au fond du problème. Le fond du problème, c'est l'accompagnement de, 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 du grand âge, l'accompagnement de la personne âgée, la vision qu'on a de la personne âgée, et du coup, bah. Ce qui lui est permis de faire ou ce que la société décide de faire, ben ça, ça contribue beaucoup à. Qu'est-ce qu'on qu qu imagine Qu'est-ce qu'on imagine d'elle -ce Que c'est Tati Daniel ou est-ce que c'est plutôt Caroline Ida-Ours Alors on est d'accord que il y a très peu de ce type de personnes en EHPAD, puisque Caroline Ida-Ours elle a 61 ans et que la moyenne d'âge moyen, mo euh, moyenne en, en EHPAD c'est 85 ans. Donc on va voir dans 20 ans à quoi ressemble cette dame-là. Mais c'est. Je pense, si on est sur la question de l'image, euh, un petit peu de la personne âgée et des possibilités que ça, ça en découle, ce genre de, 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 de photographie, ce genre de choses, fait que bah, ça, ça les remet un petit peu dans le game, je trouve. Euh, sachant qu'encore une fois, 61 ans, bah, peut-être il y a 10 ans, je considérais ça comme vieux, mais aujourd'hui, bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Euh, il me semble. D'ailleurs, que question qui fâche être vieux, c'est à quel âge La définition de la personne âgée Vas-y, bah, je te laisse, Mélanie. Oh, de façon très. Ah, T'es bah gentille. Ça a bougé, <laughs> je crois. Euh, mais ah, euh, à la base, <laughs> c'est à partir de 60 ans. Oui, exact. Selon l'OMS. C'est 60 ans à la base. Oui. Selon l'OMS, c'est 60 ans La définition ouais, de la selon personne âgée, c'est 60, 60, 60 ans. Et non, pas 75 et 80. Ah bon Plutôt que ça. Mais c'est en train, oui, oui. mais euh, je pense que si on prenait par rapport à l'espérance de vie actuelle, il faudrait revoir du coup à oui. la hausse euh, ouais. ce critère-là. D'accord, effectivement. Mais en fait, ouais. d'après les jeunes, vers 28-30 ans, oui. Merci. Merci. Ça n'est jamais, jamais arrivé, tu sais à un moment donné quand tu passes dans l'étape de vieux, quand tu es en entretien et que tu demandes euh, différentes choses et qu'on te dit, oh, je ne veux pas qu quelqu'un de plus vieux, c'est-à-dire plus vieux, pas bah, plus de 30 ans. Ah Let's go, c'est bon ça à entendre. Euh, et du coup, c'est très drôle. Euh, je trouve que la perception bah, du vieux, euh, bah, c est, c est, ça va beaucoup à ce qu'on qu qu imagine derrière. Euh, mais donc, c'est 60 ans l'âge sur lequel on est considéré comme âgé. Sauf si ça a changé, mais, euh, non, parce mais ce que j'avais vraiment... appris, c'était ouais, oui, Mais je seconde. crois pas. Je crois pas que c'est changé. Euh... Je le regarde. Tu regardes, tu nous dis. <laughs> il y a des gens à 25 en ans En fait, c'est en lien. Oui, c'est vrai. En vrai fait, que... je crois que je pense qu'ils se sont aussi basés par rapport à l'apparition, je pense, des premières grosses maladies neurodégénératives, les grosses maladies du vieillissement. Et les premiers symptômes, souvent, ils apparaissent vers ces âges-là. D'accord. Euh, 60 ans, toujours. Toujours, hein. toujours 60 Ça a été mis à jour le 4 octobre 2021. Euh, et il parle encore de personnes âgées de 60 ans. Ok, donc après, c'est toujours sur ces questions de. Parce que finalement, effectivement, je rejoins le chat. Des fois, être vieux, c'est dans la tête. Oui, c'est quoi être vieux C'est un âge, mais on peut avoir 60 ans et avoir une, une façon de vivre qui, qui, qui ressemble plus à quelqu'un d'actif, de jeune. Et des fois, il y a des jeunes qui ont plutôt un, un rythme de vie qu'on qualifierait comme vieux. D'accord D'ailleurs, il faudrait voir il faudrait un petit peu. Bon, après, on, on en a pour jusqu'à minuit euh, là-dessus, donc on va, on va arrêter parce que les gens vont se dire ah, la prise en otage euh, Parce que je sais qu'il y a des viewers qui osent pas partir. <laughs> qui osent pas dire ah, Bonus, je vais être jugé, tout ça. Non, non, si vous êtes fatigué, euh, let's go. La tisane euh, Oui, la tisane, n'hésitez pas, il hein, n'y a, a pas de problème. Ou n'hésitez pas à prendre votre, votre ordinateur ou votre portable dans le lit. Euh, on vous accompagne jusqu'au bout de vos songes. Euh, mais effectivement, être vieux, finalement, si on rejoint la question première qui était les EHPAD c'est un lieu pour vivre ou pour mourir ça pose la question de c'est quoi vivre si on est là dessus c'est quoi vivre on n'y répondra pas là hein, je, parce que là on relance un débat de fou euh, mais si, du coup <laughs> si, si la question c'est c'est quoi vivre bah ouais c'est quoi la perception qu'on a de la vie quelqu'un qui a 70 ans euh, qui aime bien sortir, qui aime bien aller faire des euh, des musées, recevoir du monde etc est-ce qu'il est adapté pour la vie en EHPAD ne sais pas quelqu'un qui a besoin de routine qui a besoin effectivement de temps en temps d'animation de stimulation et autres est-ce qu'il a besoin d'un Ehpad peut-être euh, et que bah oui si on parle là on parle de troisième jeunesse et ce genre de choses bah il y, y, y a aussi je pense aussi l'image du vieux déjà l'image que la, la société en perçoit et surtout bah, en fait techniquement... Les, les propres manières de vivre et d'imaginer la vie euh, des personnes accueillies euh, la génération qui est, qui, qui est là 85 ans, c'est à dire qu'elles étaient jeunes à quelle époque les années 60, euh, 45 ans je suis très mauvais en maths euh, les, bah, les années 40 euh... donc, donc les modes de vie sont, sont différents que... pendant la seconde guerre mondiale quoi c'était okay. jeune pendant la seconde guerre. Voilà, donc vie. le mode de vie est différent, le, 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 la façon de vivre, la façon d'entrevoir de, 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 la société, d'entrevoir le rapport à l'autre, etc. Et imaginons-nous vieux demain, euh, bah ça pose aussi. Je trouve que ça ça, ça forcément va y avoir une évolution des institutions. Forcément. Euh, parce que ça va évoluer en fonction bah, de. Euh, de ce qu'on va appeler la, la clientèle, euh, mot banni de nos institutions, mais qui, euh, si on prend Carl Rogers, c'est tout à fait noble euh, à, à, à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Euh, je suis en train de, de voir le chat. Ma grand-mère a 72 ans, elle a une, une grande barboudeuse, oui. J'avais elle... euh... posé la question aux personnes âgées lors d'un groupe de paroles. Des petites sessions de discussion qu'on faisait l'après-midi où on parlait de sexe, on parlait de plein de choses. Et euh, j'avais demandé justement euh, qu'est-ce que c'était pour vous être vieux et à partir de quand vous vous êtes senti vieux. Mm. Et euh, j'avais eu plusieurs réponses, euh, notamment euh, une personne qui m'avait dit bah, être vieux, c'est dans la tête. Il euh, y avait une personne qui m'avait dit bah, le jour où je n'ai pas réussi à attraper euh, ce que je voulais dans l'armoire, bah, je me suis senti vieux. Mmh. Euh, la personne m'a dit bah Moi, je me sentirais vieux quand je ne pourrais plus marcher euh, et que je serais en fauteuil. Il euh, y en a une autre qui m'a dit bah Quand je ne pourrais plus faire les activités que j'aime euh, ou trouver un espace de loisir et de. Et, euh, qui me permet de... de me changer l'esprit. Euh, en l'occurrence, elle, c'était. Elle aimait lire, etc. Et elle m'a dit Le jour où je ne pourrais plus faire ça, pour moi, c'est là où je me sentirais vieux. Donc, en fait. Euh... Il y a vraiment plein de réponses et je pense que c'est propre à chacun et comme tu dis c'est c'est il y, y a vraiment une part aussi psychologique et et après physiquement bah oui on ressent aussi qu'on vieillit bien sûr on ah, le voit ça ah, ça, ça oui. <laughs> physiquement c'est moi je me suis senti vieux le jour où pour me lever d'un canapé j'ai galéré ce côté où tu te lèves et tu fais ah mec putain il est si bas et là tu fais ah ouais là je mes genoux sont vieux euh, le chat me dit la première fois qu'on t'appelle, euh, ah oui, bisous sexo psycho, tu vois mes petits yeux, ils sont là et ils sont de retour euh, pour ton plus grand plaisir. Euh, la première fois qu'on euh, qu m'appelle monsieur, c'est terminé. Euh, c'est vrai que la première fois qu'on nous appelle monsieur, madame, euh, ouais, calmez-vous, madame, calmez-vous, madame, calmez Cal monsieur. Calmez madame. Ça, ça va bien se passer, <laughs> calmez-vous, monsieur. Euh, c'est vrai que c'est des étapes hein, dans la vie où, à un moment donné, en fait, c'est pas forcément soi qui, qui se sentent vieux ou le corps, c'est les autres. <laughs> c'est les autres, des fois, qui nous renvoient quelque chose du fait Ok, ouais, bah, j'ai bien compris qu'en termes de perception, je suis plus dans le game. J'aurais je, 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 beau avoir tout le style vestimentaire, la parole. Non, c'est mort. Je, je, je fais partie des darons, donc euh, terminé. Enfin, euh, terminé. En tout cas, je, je ne peux plus. Euh, pour ces personnes-là, je, 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 c'est fini. Euh, et ça, ça ne prévient pas. Ça, ça... ça m'a rassuré Il n'y a, y a, y a pas longtemps, je suis allée. Donc, la, bah, la semaine dernière, j'étais à Vichy. Et... Euh... Et je, donne, je donnais des cours. Et puis, euh, la, la dame de l'accueil qui dit euh, à une nouvelle euh, une nouvelle secrétaire qui vient d'arriver à l'accueil et qui lui dit, euh, ne trompe pas, fais pas comme moi, euh, la prends pas pour une étudiante. Du coup, je me suis dit. Oh, ça, je pas. Oh, tu sens le... Oh, tu... C'est bien. Tu sais quoi, ah tu Tant que je me faufile et que les étudiants, ils disent c'est elle la prof ou c'est pas elle la prof ah. et qu'ils savent pas qui arrive ou qui arrive pas, je me dirais, ça va, je passe encore. Le jour bon. où ils se disent je la prof, là, je me dirais... Ah, aïe, là, ça, ça pique. Ça fait... du coup j'achète le suite des écoles dans lesquelles je vais comme ça je me fous encore plus dans les masses si... ah, c'est beau c'est oh, important pour moi euh... vous en pensez quoi de l'intervenante ah, j'ai entendu parler d'elle c'est terrible Et il y a une question alors Touchy qui est posée qui est le doyen ici euh, Marina qui tente monsieur je... je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr alors, peut-être de nous inviter, c'est sûr. Ça, je, je représente la maturité, l'expérience, forcément. C'est pour ça que ça, ça va bien se passer. C'est important, mesdames, n'est-ce pas euh, Mais peut-être dans le chat, il y, 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 y a plus. Mais il paraît que c'est une question qu'on ne pose pas en France. C'est comme, comme la question du salaire. On ne pose pas la question de l'âge ni la question du salaire. Euh, donc, il y, y, y a un call, il y a un call, monsieur J, mais je, je, je ne sais un pas. Un 13 ans avant 60 ans, je crois. De quoi 13 ans avant 60 ans Ouais, je crois que j'en ai vu un. Ah, let's go. Les ducs spécialisés des... restent treize ans. C est, c est ça peut, peut être lui notre doyen tous. Peut-être. Euh, moi, la plus jeune, peut-être euh, la calvitie. <laughs> euh, oui, mais ça c'est des, des patrimoines génétiques. Euh, la calvitie, ça euh, peut apparaître jeune, hein. Vrai, <laughs> malheureusement. <laughs> Alors, les ducs spécialisés ont parlé de l'âge, n'est-ce hein pas? De l'âge, <laughs> quel âge avez-vous, euh... monsieur Ça, <laughs> ou madame? Je sais pas. <laughs> on va 23h30, très bien. Euh, on, va, on, va, on va terminer là-dessus, euh, mesdames. Merci. Merci beaucoup de, 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 Merci de, 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 de ce Merci, moment. J'espère <laughs> oui, que ça s'est bien passé. G. Euh, j'espère que ça s'est bien passé un, un vrai plaisir en tout, cas, en tout cas ces échanges, alors bien sûr que certains ont dit mais j'avais je, 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 pas compris que c'était un stream philosophique c'est un stream où on réfléchit, où on se permet de réfléchir euh, on se permet aussi de dire des grosses conneries, hein, parce que bah, qu'on n'est pas forcément tout le temps calé sur les sujets et que des fois il vaut mieux rire de certaines situations euh, en tout cas merci, merci mesdames, j'espère que vous avez passé un... j'espère que ça s'est bien passé, vraiment vous avez passé un, 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 un bon moment euh, avec moi, je euh... <laughs> euh, effectivement. Mais doux, mais doux. À quelle heure euh, Je vais remercier. Je vais remercier les euh, nouveaux follow. Merci Marina pour ton euh, pour ton prime. Merci Chris Rigolotte pour ton abonnement. Euh, merci Yop Yop pour le follow euh, X Squalala et John Tromot euh, pour euh, le follow. Euh, merci beaucoup. La prochaine, c'est la semaine prochaine, mercredi. On va on va parler mercredi prochain de burn-out. Euh, de burn-out, comme on dit, euh, comme on dit euh, quand, on est, quand on est in. Euh, en se posant la question, euh, est-ce qu'il faut voilà, réussir son burn-out pour devenir travailleur social euh, Est-ce que ce n'est pas maintenant devenu le rite de passage obligé pour tout bon travailleur social qui se respecte euh, Est-ce que de ne pas faire un travail de, de, de burn-out, c'est le signe qu'on cautionne un système qui est de plus en plus... Dégueulasse. Euh, bref, on va discuter un petit peu de ça, de l'épuisement euh, professionnel. Et en théorie, nous serons avec euh, les pokés, et nous serons aussi avec Cyril Leduc, euh, qui a été sélectionné parce que a priori, a priori, euh, il résiste dans un système qui est compliqué. Donc, on va lui demander un petit peu ses secrets. Euh, pour, pour 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 ne pas faire euh, voilà, d'épuisement professionnel comme on dit euh, et effectivement comme dit dit psycho Marina voilà on va être <laughs> tous ensemble <laughs> pour se poser euh, <laughs> cette question là merci merci beaucoup euh, d'avoir été d'avoir été d'avoir été parmi nous merci euh, mes invités d'avoir euh, été là euh, n'hésitez pas voilà à me faire plein de commentaires en MP sur Insta ou autre sur le nouveau format voilà, s'il y a des choses à revoir, pas revoir et tout, euh, parce que c'est un format qui est en, qui est en construction. Donc euh, n'hésitez pas. Euh, merci beaucoup. Des bisous. Petite scène de fin qui a été mise. Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Merci. Oh, c'est trop mignon. La tasse et tout. Qu'est-ce que tu fais encore là Si t'es encore là, c'est que t'as kiffé. Dans ces cas-là, suis, partage, voire abonne-toi. Sinon, bah, dis-toi que c'est pas la première fois que tu vois un programme de merde. Et la dernière d'ailleurs. Allez, bisous. Oui, voilà, c'était mon petit kiff à moi. Ça sera la scène de fin pour le SCS, etc. Voilà, ça me fait délirer. Je promets que je vais le changer à peu près tous les 3 mois euh, parce que ça me fait marrer. Voilà, des bisous. Encore une fois, cette scène de fin extraordinaire qui passera en boucle le temps que je débrief.